c'est parfait. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais vous. Donc, au nom de. Je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Loïc Damiani, je suis l'adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois en charge de la ville numérique et de pas mal d'autres choses, mais en particulier du numérique. Alors, juste quelques mots pour vous accueillir. Excusez monsieur le maire qui va pas tarder et qui s'intégrera dans la discussion quand il arrivera. Il a une capacité d'adaptation qui lui permettra de s'intégrer. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette sixième édition du colloque Internet solidaire. Vous dire que cette année, le thème qu'on a choisi, oser l'innovation, osons l'innovation, c'est après mûre réflexion, on s'est dit qu'on était à une étape, qu'il fallait réfléchir avec l'ensemble de nos partenaires à où on en était et ce qu'était l'innovation. Alors l'innovation au sens large, à la fois bien sûr l'innovation numérique qui est aujourd'hui dans la poche de tout un chacun avec les smartphones, mais aussi à tous les usages qui se multiplient, tous les usages qui sont mis en place et qui sont utilisés par chacun d'entre nous, et en quoi ça a des conséquences sur la vie et sur le fonctionnement de la société. Et on va voir dans les différents ateliers qu'on aura dans l'après-midi ou un peu plus tard que dans tous les domaines, on peut s'interroger sur le sens de l'innovation, parce que c'est un mot qui, aujourd'hui, avec ces nouvelles pratiques, a beaucoup évolué. Avec l'idée de base quand même pour la ville de Fontenay, c'est de faire en sorte que cette innovation soit avant tout un vecteur de progrès social pour tous et un vecteur de transformation, de mutation écologique, on va dire ça comme ça pour aller vite, pour faire en sorte que la vie des gens soit plus facile, meilleure. Et on va voir que ça a donc des implications extrêmement importantes. Alors je voulais aussi remercier l'ensemble des partenaires et des services municipaux qui ont travaillé à la mise en place de cette initiative, que ce soit bien sûr la DSI de la ville de Fontenay, la direction des systèmes d'information avec son pôle innovation numérique, que ce soit notre chargé de mission développement durable, Périne qui est là-bas, que ce soit l'ensemble des espaces publics numériques de la ville, et puis les différents services, et puis bien sûr nos partenaires, dont évidemment Ville Internet, qui nous accompagne depuis le tout début, donc ça fait maintenant quelques années. Et avec lesquels on a construit cette journée dont on va essayer qu'elle soit justement la plus fructueuse possible avec des réflexions, des échanges, parfois des confrontations d'idées parce qu'on n'est pas forcément on n'a pas toujours la même approche sur tous les sujets, mais avec l'idée de pouvoir continuer à avancer. Et de faire profiter de cette expérience le plus grand nombre, puisque cette journée va être filmée, diffusée, et ça va permettre aussi à d'autres qui ne sont pas là présents directement avec nous de pouvoir participer à nos échanges. Donc je repasse la parole à Florence. Merci. Merci Loïc. Eh bien, écoute, je te remercie particulièrement pour cette dynamique qui est construite à Fontenay
et notamment grâce à ton énergie d'élu, la volonté politique de l'élu local sur les sujets de l'innovation est absolument majeure et évidemment relayée successivement par le maire actuel, mais son prédécesseur également fortement. Et notons que vous nous faites l'honneur d'être membre de notre conseil d'administration et même du bureau, et que tu représentes le maire dans ses travaux dans l'association, et que ça nous aide énormément à garder la ligne, puisqu'effectivement, Ville Internet, historiquement, s'est construit sur finalement une chance qu'elle a eue, cette association, à son démarrage, et ceux qui l'ont lancée, qui a été d'être en contact avec un certain nombre de personnalités, de réflexion, je dirais, je préfère ça plutôt qu'intellectuel, qui ont pu montrer, dès les années 95, des chances et des risques dans cette société dite à l'époque de l'information, et sur ces innovations technologiques dites aujourd'hui du numérique. Je fais attention avec les mots parce qu'ils ne me plaisent pas trop, tous ces mots. C'est un peu compliqué de retrouver une sémantique dans tout ça, et qui correspond vraiment à ce qu'on pense. Et du coup, ces chances et ces risques ont été proposés par ces personnalités de réflexion, parmi lesquelles était évidemment Patrick Vivret. Et je suis ravie qu'il ait pu se rendre disponible pour nous aujourd'hui, de même que Serge Goncharoff, qui n'était pas directement dans ce milieu-là immédiat à l'époque, mais qui n'était pas très loin non plus. Et donc, il nous semble absolument essentiel aujourd'hui à Ville Internet de reposer ces questions des chances et des risques sous une forme peut-être plus virulente, parce qu'on a d'abord pensé que les chances, la capacitation des personnes dans l'accès à la connaissance, dans le déploiement d'une intelligence collective et une démocratie plus participative, qui étaient un peu les deux chances qu'on avait identifiées à l'époque, on pensait qu'elles avaient pris le dessus par des mouvements citoyens relayés, très proches de chaque habitant, de chaque usager en France, mais également dans d'autres pays, en Amérique latine, au Canada, au Québec, en Afrique. Et ces mouvements étaient très forts. Et on s'est dit, cette opportunité que l'Internet, à l'époque, nous apporte, va permettre de rapprocher encore et d'humaniser encore et de réenchanter, comme aurait dit Patrick, comme dit Patrick, le monde par des relations facilitées, par une mémoire partagée, par une intelligence plus collective. Or, à l'époque, déjà, un certain nombre de risques avaient été identifiés, et notamment la question des risques, on va dire, pour aller vite, de manipulation. Alors, de qui, par qui, de tout le monde, par tout le monde, d'inconnus, ou des machines peut-être elles-mêmes, pourquoi pas, puisqu'on parle aujourd'hui de ça, de manipulation, soit idéologique, soit commerciale. Or, il nous semble, au vu de l'observation qu'on peut faire avec le réseau, notamment des villes Internet, plus de 450 collectivités françaises membres aujourd'hui, y compris dans leurs relations avec leurs partenaires internationaux, eh bien, c'est que peut-être il y a un risque aujourd'hui lié aux autres crises que traverse la société, et elles sont conjointes et elles se parlent évidemment beaucoup, que sont la crise écologique et la crise démographique probablement, et peut-être cette crise que j'appellerais moi numérique, mais est-ce que c'est une crise numérique, ça veut rien dire, c'est une crise autour de la question de l'innovation et de la diffusion de ces outils, de leur appropriation, de leur bonne appropriation, et surtout de leur appropriation comme un monde entier où le meilleur et le pire sont possibles, et c'est bien ça qu'il faut arriver à discriminer, j'ai envie de dire, pour en un mot fort, pour faire la part des choses. Et donc, on va essayer de faire ça ce matin ensemble avec Georges Gonchaloff, avec Michel Pasteur, qui est directrice générale de l'Agence nationale des solidarités actives, et avec Patrick Vivret, philosophe, économiste, et qui nous a guidés avec tous ses ouvrages successifs, à commencer peut-être, pour ce qui me concerne en tout cas, où le déclencheur le plus fort a été le rapport sur la richesse. Et je recommande de le lire. Il est sorti en poche, d'ailleurs, parce que c'est devenu un ouvrage de référence pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et puis, bien sûr, La cause humaine du bon usage de la fin du monde, qui est dans la fin d'un monde. Oh là, j'ai honte. Parce que la fin du monde, elle n'est pas là.
D'ailleurs, notre président Emmanuel Evenot, ça me permet un rebond, merci Patrick, sur une erreur, je fais une interpellation et je parle d'Emmanuel Evenot, le président de Ville Internet, qui travaille sur les bouts du monde en tant que géographe, mais pas uniquement les bouts du monde physiques, mais également les bouts du monde humains, etc., etc. Et donc, effectivement, l'ouvrage... Donc, s'appelle bien « La cause humaine du bon usage de la fin d'un monde ». Et Patrick nous fera sentir ce qu'il aborde dans cet ouvrage que je vous invite à lire. Voilà, donc ce matin, on va parler ensemble de tout ça. La formule est « Café débat ». Je vois que vous avez à peu près chacun un café sur vos tables. Le débat, je vous propose qu'il soit... qui partent sur une forme de sens qu'on va se donner tous ensemble grâce à nos intervenants. Donc on va passer un moment à les écouter, à les questionner. Et ensuite, on va rentrer dans cette vraie partie du débat, puisque la vraie partie du débat, c'est bien la confrontation des idées, les vôtres, les leurs, celles des personnes qui nous écouteront ultérieurement, éventuellement, et qui se questionneront à leur tour... dans cette période d'incertitude probablement assez forte, puisqu'on est donc filmé aujourd'hui et que l'idée est qu'on conçoive ensemble un temps qui sera possible de retrouver en ligne sur nos différents sites, sur les vôtres si vous voulez le reprendre. D'ailleurs, la vidéo sera en données ouvertes autant que faire se peut. Voilà. Alors, pour commencer... Michel Pasteur, qui prend son micro et qui l'allume, me racontait une petite anecdote qui m'a beaucoup surprise. C'est qu'en fait, elle n'était jamais venue ici. Tu étais venue ici il y a très longtemps et dans un contexte de déploiement d'un bon exemple, comme quoi Fontenay sert souvent de relais et de pilote sur différents sujets. D'inspirateur. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup de me proposer, je veux vraiment dire, à contribuer à cet échange de ce matin. Donc, moi, je veux venir avec une posture très modeste, d'apporter des idées à partir de là où je suis, de ce que je suis, de l'association que j'anime. Effectivement, commencer par cette anecdote, parce que j'ai de l'émotion à venir dans cette maison. Juste dire qu'avant, dans une mission précédente, je travaillais pour un conseil général en Côte d'Armor, en Bretagne. Et il s'avère qu'en Bretagne, dans notre ville de Saint-Brieuc, nous avons une très belle maison qui est un peu similaire à celle-ci. Et l'idée était de transformer cette maison. Et j'ai proposé, parce qu'à l'époque, j'étais un peu en charge dans ce département, justement, de l'innovation, du développement durable, des démarches transversales, d'en faire une maison du citoyen. Et cette idée, on l'a eue. Et puis, je suis allée sur Internet, j'ai tapé maison du citoyen et paf, je suis tombée sur Fontenay-sous-Bois. Et donc, je suis venue, il y a, je pense, une dizaine d'années, rencontrer le directeur de l'époque, les équipes, et dire que cette maison a été une source d'inspiration très forte pour, à Saint-Brieuc, la Villa Roanec, qui a commencé à devenir une maison du citoyen. Peut-être à l'instar de ce que nous voyons aujourd'hui, changement de majorité, problèmes financiers font qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai peur que ce projet de maison citoyen ne passe un peu de côté. Mais en tout cas, on avait développé et vous aviez été une source d'inspiration. Donc c'est une émotion pour moi de revenir ici et de retrouver cet esprit qui vous anime et qui, Dieu merci, a perduré chez vous. Effectivement, moi j'anime l'agence, alors nouvelle et pas nationale, l'agence nouvelle des solidarités actives. Nous sommes une association basée sur Paris qui existe depuis 11 ans et notre objet social, c'est la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion, avec un levier particulier qui est celui de l'innovation et de l'expérimentation sociale. Donc nous avons... pour ceux qui, rapidement, pour nous présenter, nous avons été créés par Martin Hirsch, si ce nom vous évoque quelqu'un qui, effectivement, a apporté et continue à apporter toujours une dimension un peu innovante et d'expérimentation dans notre pays, dans différentes postures qu'il a eues. Et nous avons été notamment les vecteurs de l'expérimentation, puis de la mise en œuvre du RSA, mais c'est un peu une vieille histoire. Alors aujourd'hui, nous continuons à travailler sur cette question de comment est-ce qu'effectivement l'innovation, l'expérimentation peut être mise au service
d'une société inclusive. Et c'est bien, je crois, l'objet de notre discussion de ce matin. Est-ce que l'émergence d'une société numérique va-t-elle remplir, est-ce que nous allons être collectivement en capacité de remplir la promesse potentielle, les promesses du numérique, d'être un vecteur de société plus inclusive? Alors, moi, je voudrais dire que je pense que l'Internet, le numérique, continue à receler beaucoup de promesses et que ces promesses seront remplies autant que nous nous attellerons collectivement, dans une intelligence collective, à le rendre possible. Alors, c'est vrai, Florence, tu dis au départ, on peut être un peu inquiet de cet usage plus commercial, voire idéologique aussi du numérique, mais je pense que plus il y a de détournement, plus il y a besoin de résistance. Et je pense qu'on peut aussi, et c'est un petit peu l'esprit avec lequel nous abordons ce sujet, et qu'il me semble que nous pouvons nous agir ensemble, nous avons à résister à ces mouvements de commercialisation, de marchandisation d'un Internet, d'un espace qui recèle effectivement beaucoup de promesses, et faisons en sorte de continuer à être des voix, à poser des actes, même si ce n'est pas facile. Parce que la résistance, c'est souvent plutôt, on est plutôt minoritaire dans la résistance. Mais c'est aussi, si on veut parler, c'est aussi une résistance, et si je veux parler d'après-guerre, et bien c'est aussi, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont résisté, qui ont été capables, après de certains chaos, d'offrir des alternatives. Et je crois que nous avons à continuer à produire et à porter ces alternatives. C'est ça, en tout cas, ce qui nous motive au sein de l'ENSA. Alors, dans les promesses, et vu sous l'angle social, puisqu'en fait, à l'ENSA, nous allons nous préoccuper de faire en sorte que la société numérique, avec ses services numériques, ne vienne pas rajouter une fracture supplémentaire à des personnes, à des groupes qui sont déjà en situation de fragilité. Nous, on a, même si notre objet social, c'est la lutte contre la pauvreté, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment est-ce que toute personne qui va se trouver de façon conjoncturelle, parfois structurelle, mais dans une situation de fragilité, et dans cette situation de fragilité, il n'y a pas seulement la fragilité financière, il y a une fragilité sociale qui peut se décliner par l'isolement social. Il y a une fragilité écologique qui peut se traduire par des questions de précarité énergétique, par des précarités d'accès au logement, enfin, tous ces éléments-là. Donc, nous disons comment est-ce qu'effectivement aujourd'hui, Internet, dans ses développements, peut effectivement faire en sorte que l'accès à ses droits, l'accès à une capacité d'agir, l'accès à une information soit effectif pour tout le monde et qu'on ne soit pas en train de créer, qui effectivement est un risque, si vous voulez, une société de services numériques auxquels vont pouvoir accéder les branchés et puis des services numériques auxquels une partie de la population ne va pas pouvoir accéder. C'est une préoccupation aujourd'hui. Nous ne sommes pas la seule à l'avoir. Il y a beaucoup d'acteurs. Autant public, je crois que c'est une préoccupation de notre gouvernement, c'est une préoccupation des collectivités territoriales, c'est une préoccupation des associations, et aujourd'hui, ça c'est important, c'est aussi une préoccupation des opérateurs numériques. Ils le font un peu maladroitement, mais il me semble que nous avons à être, en tout cas l'ENSA, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons travailler à être cette interface entre des citoyens, et peut-être des citoyens qui ont justement quelques difficultés d'accès au numérique parce que ça demande à la fois des savoir-faire, parce que ça demande des moyens financiers, parce que ça demande aussi de l'appétence. On n'a pas tous envie d'aller taper sur un clavier ou de taper sur son smartphone. Et des opérateurs qui aujourd'hui sont conscients que la société, elle est multiple et que peut-être en travaillant avec les usagers des services, ils ont sans doute aussi à prendre en considération la capacité de tout un chacun d'aller vers ces services. Et ça, je pense que, il me semble que si on veut parler d'enjeux ce matin, moi je veux poser en premier ce premier enjeu. Ce premier enjeu, c'est celui que les services numériques qui sont en train d'émerger, des opérateurs sociaux notamment, des opérateurs
marchands, commerçants, commerciaux, etc., ne se fasse pas sans nous, ne se fasse pas sans l'utilisateur, sans le producteur même. Et ça, je le dis peut-être en faisant une comparaison, il y a peut-être des travailleurs sociaux dans la salle, donc en tout cas, ils pourront réagir, mais il nous semble que nous venons d'une période où on a apporté des moyens de lutte contre la pauvreté par des démarches curatives. On a apporté des compensations, on a apporté des services, on a apporté des aspects financiers. Et c'est important, c'est nécessaire. Mais on a souvent pensé des services vis-à-vis des personnes en fragilité en pensant pour eux. Vous voyez ce que je veux dire ? On a, les administrations, les associations ont créé des services d'accompagnement. Aujourd'hui, on est conscient que ce qui est en jeu dans le travail social, ce qui est en jeu dans l'évolution de notre société, c'est d'accompagner chaque personne dans ses capacités personnelles et d'accompagner ces personnes dans ces capacités-là. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est posé, c'est pas de dire « Ah ben, il y a des gens qui ne peuvent pas accéder au numérique, donc il y aurait les personnes âgées qui seraient de toute façon réfractaires, qu'il y aurait des jeunes qui seraient tout stop sur le numérique et qui adorent ça, qu'il y aurait des personnes qui sont au chômage et qui ne seraient pas capables d'aller remplir leur CV. » En fait, on a une vision très par la négative de tout ce que les gens ne savent pas faire. Or, en fait, est-ce qu'il n'y a pas cet enjeu-là et est-ce que nous ne pouvons pas essayer de travailler à regarder quelles sont les capacités des personnes et de construire des services numériques sociaux qui soient en capacité d'accompagner et de décupler cette capacité, effectivement, de chacun. Et quand je dis ça, alors, effectivement, aujourd'hui, on est autour de cette société numérique, mais c'est quelque chose de plus global. Moi, je pose l'hypothèse, et nous sommes un certain nombre à poser l'hypothèse que est-ce que le numérique, dans l'innovation sociale, dans le rapport de l'action sociale entre des acteurs de l'action sociale et des personnes qu'on dit bénéficiaires, est-ce qu'on peut être en capacité de faire évoluer d'une relation entre l'aidant et l'aidé dans une relation d'alchimie de capacité. Alors, j'espère que je ne suis pas trop complexe, mais d'alchimie entre la capacité des personnes dans ce qu'ils sont, dans leur parcours, à vouloir leur parcours, à choisir leur parcours, et la capacité d'autres personnes, d'autres structures, à les accompagner dans la mise en œuvre de ce parcours. Et quand on pense aujourd'hui aux services numériques, vous savez, les travailleurs sociaux aujourd'hui, il y a un discours un peu négatif que le travail social refuserait le numérique. Je pense que là aussi, il faut sortir des côtés manichéens qu'on aimerait, on n'aimerait pas. Les travailleurs sociaux sont dans cette dimension numérique. Mais ce qui est important, c'est de ne pas regarder l'outil le numérique comme l'outil. C'est-à-dire que... alors peut-être que je continue. Je suis troublée là. Ouh. Vous êtes monsieur le maire, j'imagine. Exactement, Jean-Philippe Beautrey qui nous rejoint là. Bienvenue, merci de votre accueil. Je disais, je reprends le cours de ma pensée, c'est que la crainte des travailleurs sociaux aujourd'hui, c'est de dire, et c'est souvent ce qui se passe, que vous soyez à Pôle emploi, que vous soyez à la CAF, que vous soyez même face à un service du département, d'une collectivité, c'est qu'on reste dans cette situation, vous êtes de l'autre côté du bureau, d'accord ? Le travailleur social, il est de l'autre côté, et en fait... il a un écran d'ordinateur entre les deux. Et moi, je comprends que le travailleur social, franchement, ça l'emmerde. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est créer la relation avec la personne. Et donc, mais en fait, il a un écran d'ordinateur entre les deux, mais il a un écran et il a surtout des tas de logiciels et des tas de formulaires à remplir. Et c'est ça qu'on lui demande, c'est remplissez les formulaires, etc. Et donc, ce numérique-là, qui est un numérique qui viendrait compenser ou qui viendrait faire des statistiques, etc., celui-là ne fonctionne pas. Et nous, on s'interroge, comment est-ce que l'existence d'un outil numérique, avec que l'accès au service se fasse à travers un écran, fasse que désormais, ce soit la personne accompagnée, l'accompagnant qui soit côte à côte face à l'écran. C'est-à-dire que c'est un même objet que l'on travaille ensemble, et que cet objet puisse permettre de relier dans une alchimie positive, viennent justement augmenter les capacités de chacun à travers un support commun qui est peut-être le numérique.
Voilà, donc peut-être à ce stade, on est très loin et il y a encore du travail à faire, mais il y a cette réflexion qui va dans ce sens. Et vous avez concrètement mis à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives en place un laboratoire. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur son objectif dans ce sens que tu viens d'exposer ? Alors, laboratoire, hein, c'est le mot à la mode. Après, tiers lieu, il y a des labs et tout. Mais en fait, on aime bien quand même parce que... La fabrique de... Voilà. En fait, nous, l'ENSA est un acteur qui est plutôt du côté de l'opérationnel. Mais pour autant, on n'agit jamais mieux que quand on a pensé. Et en tout cas, on ne veut surtout pas dissocier la pensée de l'action. Et il nous semble qu'il y a des interfaces à créer entre pensée et action, et notamment dans une pensée qui porte de l'intelligence collective. Et c'est à ce titre que nous avons mis en place ce qu'on appelle des labos ENSA, mais c'est simplement un espace comme celui-ci. D'ailleurs, la ville de Fontenay y a contribué, y a participé, où on va essayer de réunir une multiplicité d'acteurs qui viennent à partir de ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils viennent, ce sont des collectivités, c'est des institutions de l'État, ce sont des associations, ce sont des entreprises aussi qui sont des fournisseurs de solutions numériques, ce sont des bureaux d'études qui accompagnent dans des démarches plus méthodologiques. On essaye de les mettre ensemble autour d'un même sujet. Et effectivement, on a voulu mettre en place pendant ces 4 derniers mois des acteurs qui posent la question de qu'on a appelé numérique inclusion, et ce que moi je dis de façon un peu plus longue, comment agir pour une société pleinement inclusive. Pleinement inclusive, ça veut dire qu'il ne laisse personne sur le bord du chemin. C'est un vaste sujet, parce qu'aujourd'hui, si j'apporte quelques chiffres, il est dit que à peu près 85% de notre société est capable d'agir sur des outils numériques. Il y aurait 16% vraiment de personnes totalement en dehors. Mais dans les 85% capables d'avoir une interaction avec les outils numériques, ça ne veut pas dire que c'est 85% qui sont en capacité d'aller vers les services numériques, notamment les services sociaux. Et donc, on a voulu, par ce labo, poser deux choses. D'abord, de dire où est-ce que nous en sommes. Parce que cette question d'inclusion numérique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ville Internet en a été un vecteur, a mis ce sujet sur la place publique. D'autres l'ont fait aussi. C'est donc un sujet qui est traité. Mais il est traité aujourd'hui de façon un peu disparate, un peu partout. Et donc, on a juste voulu à un moment, comme on est un peu ensemblés, vous voyez, réunir ces initiatives et se poser ensemble la question où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on en a fait, pour dire qu'il y avait, premier élément, besoin de se coordonner, de se connaître, de se parler. C'est ce que nous essayons de faire. Deuxième élément, c'est... de construire un peu une parole commune, ce qu'on a appelé un plaidoyer pour une société numérique pleinement inclusive, portée par des acteurs qui sont opérationnels. Et en tout cas, je vous le dis, puisque ça date d'il y a 2 jours, j'étais auprès de l'Agence du numérique, et auprès du gouvernement, avec un secrétaire d'État, Mounir Majoubi, qui va annoncer exactement, je crois bien que c'est le 18 janvier, ou le 15 janvier, en tout cas mi-janvier, une stratégie nationale d'inclusion numérique. Et nous sommes contents d'avoir construit et d'avoir, avec une quarantaine d'acteurs, et nous sommes aussi allés sur le terrain rencontrer des personnes directement concernées, d'avoir créé une petite alliance à un moment avec des éléments de plaidoyer qu'on va pouvoir porter dès le démarrage de cette concertation sur la mise en place de ce plan national d'inclusion numérique. Et surtout de dire que dans l'inclusion numérique, bien sûr, il y a l'inclusion des TPE, PME, il y a l'inclusion des personnes âgées, mais il y a aussi l'inclusion des personnes qui sont dans des situations de fragilité, et que c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Donc une vigilance vis-à-vis de l'État aussi, dans ces projets. Complètement. Et encore une fois, d'apporter une parole citoyenne, parce que l'ENSA est un acteur de la société civile. Beaucoup de ceux qui étaient présents dans notre labo sont des acteurs de la société civile, et c'est justement construire un peu une vision, une parole partagée dans un moment important, parce que je trouve ça quand même super qu'on ait un gouvernement qui dise il faut faire un plan national de l'inclusion numérique, mais faisons en sorte que ce plan se fasse dans un dialogue, mais dans une co-construction. Parce que le dialogue, maintenant on sait, la concertation, on sait faire, on vous écoute, et puis est-ce que vraiment on construit derrière. Donc voilà le lab qu'on a essayé de faire. Et puis,
Nous, notre objet, notre objet social, c'est la lutte contre la pauvreté, mais on a un élément, et ça rejoint avec votre sujet, qui est « Osons l'innovation ». Donc, un autre élément de sortie de ce laboratoire, c'est deux éléments de sortie. Le premier, c'est que justement, il y a beaucoup d'acteurs territoriaux, beaucoup de structures qui osent l'innovation. L'innovation, elle est là. L'innovation, elle existe. Mais on se rend compte que transformer l'innovation pour qu'elle vienne alimenter la transformation, il y a une autre étape à poser. Et nous, ce qu'on aimerait sortir de ce labo, avec vous tous, avec une ville comme Fontenay et tout ce que vous portez, avec une belle maison des citoyens comme ça, c'est d'être capable de faire un accélérateur de l'innovation sociale à partir du numérique. Mais de faire cet accélérateur de l'innovation sociale, alors vous allez en entendre parler parce que notre nouveau haut commissaire à l'innovation sociale, ils vont construire un gros accélérateur d'innovation sociale. Je pense même qu'ils nous ont piqué le nom parce que nous, ça fait 8 ans, 5 ans qu'on y travaille. Bon. Mais ça veut dire que c'était une bonne formulation. Voilà. Mais en tout cas, il me semble que est-ce qu'on est en capacité collectivement de créer un accélérateur de l'innovation sociale autour de l'inclusion numérique avec tous ces acteurs, avec les citoyens, avec les espaces publics numériques, avec les médiateurs numériques, avec les collectivités, avec les entreprises, pour vraiment que ça soit cette société numérique co-construite et qu'on essaye de résister à une société qui nous apporterait des services seulement pensés dans la Silicon Valley ou ailleurs, excuse-moi, même si la concurrence est vive. Parce que très honnêtement, moi je vous dis tout ça, et tous les jours je suis sur Google. Hein. Donc faut pas non plus se mettre des pots de sauce devant les yeux. Je veux dire, le travail est important, mais l'alternative doit se construire. Je dis juste que j'ai été aussi en charge du développement durable, et c'est important de voir ce mixte hein, qui doit être nécessaire. Le commerce équitable, et je finirai là-dessus. Le commerce équitable, c'est quelque chose qui a démarré il y a 50 ans. Par un monsieur Max Havelaar, etc., qui était en Amérique du Sud et qui a dit c'est pas possible de continuer de voir des gens que des paysans, autant qu'ils produisent, autant qu'ils vendent, autant ils s'appauvrissent. C'est quelqu'un qui l'a fait il y a 50 ans. Franchement, je suis sûre qu'il y a 50 ans, il y a même 40 ans, il y a même 30 ans, de dire ouais, non, mais c'est sympa, mais quelque part, ça sera jamais très important aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, le commerce équitable, c'est peut-être encore que 2 ou 3% du commerce mondial. Mais c'est quelque chose que nous avons tous, je crois désormais, dans notre panier de la ménagère ou du ménager, parce que ça se dit, hein, on va dire de ménagère, c'est au féminin, mais on va prendre aussi la masculinisation des mots, donc le ménager. Donc aujourd'hui, on sait à peu près ce que c'est que le commerce équitable. Et je me dis que si à un moment, il n'y avait pas eu un Max Havelaar, s'il n'y avait pas eu des tas de mouvements derrière, eh ben, on n'aurait pas eu cette alternative qui peut devenir fructueuse aujourd'hui. Alors voilà, moi je dis, ne baissons pas les bras, sachons que la concurrence est vive, mais créons des alliances... je veux dire, vraiment, dans ces croisements de regards, dans ces croisements de capacités, y compris des capacités des personnes les plus fragiles, à construire des alternatives qui peut-être seront les solutions de dans 10 ans ou de dans 20 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à les construire. Oui, alors tu ne serais pas contredite par Claudie Miller, qui malheureusement n'a pas pu venir, la présidente de la Fédération des centres sociaux, parce que dans ces centres sociaux, un peu partout, ici à Fontenay, mais dans toute la France, et dans des actions internationales ailleurs également, cette question-là est posée, cette énergie-là, elle est sensible, heureusement, partout, avec ou sans numérique, mais elle est sensible avec cette logique aussi de résistance, comme tu disais, et de vigilance, en tout cas, qu'il faut avoir, notamment par rapport aux grandes politiques publiques, puisque ce sont elles qu'on sollicite en premier lieu pour nous aider, notamment financièrement, à soutenir toutes ces démarches de l'action sociale. Alors, Georges Gandjarov, la présentation usuelle, c'est... que tu demandes, que tu sollicites, c'est expert du développement local, responsable, créateur de l'UNADEL. Mais moi, j'aimerais quand même souligner quelques mots-clés supplémentaires te concernant. Militant de l'éducation populaire, je pense que tu ne renieras pas ces expressions-là. Support
acteur de la démocratie participative à plusieurs titres et acteur essentiel pour ces fameuses politiques publiques de la décentralisation. Et nous sommes dans une collectivité, dans un territoire, et la question de la décentralisation est aussi au cœur de la question des grandes politiques publiques nationales numériques. Comment on fait avec ces outils qui sont tombés dans nos poches. Alors je voudrais juste te lancer, si tu veux bien, puisque je sais que tu vas nous parler largement de ce sujet, de l'évolution de la structure sociale, etc. En rappelant quelque chose, l'ONU, en 2012, a reconnu l'accès à Internet comme un droit humain fondamental. Je ne sais pas si tu étais au courant. Mais c'est une reconnaissance qui peut nous interroger. Est-ce que effectivement l'accès à Internet doit être reconnu comme un droit humain fondamental ? Donc ce n'est pas une question, c'est plutôt une ouverture que je te propose. Et le micro, tu l'as déjà en main. Bien, bonjour. Parmi les nombreuses casquettes de ma longue vie militante, je vais en choisir deux qui sont plus proches du sujet. J'ai été fondateur et militant pendant toute la durée d'une association qui s'appelait l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, l'ADES, aujourd'hui disparue. J'étais permanent dans cette association, rédacteur en chef de sa revue, qui s'est appelée longtemps Correspondance municipale puis territoire. Et nous étions reconnus comme étant les observateurs, les accompagnateurs et quelquefois précédents toutes les innovations qui se menaient au niveau municipal, Grenoble des Gammes et de Dubedou ayant été notre laboratoire expérimental le plus connu, et d'autres. Et puis, l'ADES a été fondée en 59, et puis j'ai été longtemps secrétaire national d'un réseau qui existe toujours, qui est celui de l'UNADEL, qui est la tête de réseau national des territoires en développement, qui s'appelle le plus souvent à travers la France pays, mais aussi dans d'autres noms, et qui est né en 1965 en Bretagne centrale, dans le Menet, qui a fait des petits dans toute la France, puisqu'il y a actuellement dans les 300 et quelques pays, avec des changements institutionnels récents, mais enfin, peu importe, ce mouvement met en œuvre des acteurs locaux autour d'un projet de développement territorial. Alors, je ne veux pas tenir un discours d'ancien combattant, mais je ne suis pas né, Internet est né après moi, bien après moi. Et je me suis posé la question, mais comment faisait-on en 1965 en Bretagne centrale quand Internet n'existait pas? On communiquait quand même. Hein? Donc, j'ai essayé de faire un peu le tour, je ne vous raconterai pas toute l'histoire parce que j'y passerai la journée, de tout ce qu'on faisait avant, qui ne nous empêchait pas d'être militants et d'être porteurs d'innovation et de ramer à contre-courant, avec un État ultra-centralisé, qu'il a fallu combattre considérablement pour obtenir enfin les premières lois de décentralisation, avec un État impérieux dans tous les domaines. Et il a fallu se battre pour élargir la marge de liberté du local. Il faut quand même replacer notre histoire dans ce contexte. Les jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte à quel point nous sommes partis de loin. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on faisait dans le développement local? Le bouche-à-oreille avait encore beaucoup d'importance. On n'était pas loin des veillées. Le journal du Beaufortin s'appelait La Piaillée, le journal de développement local du Beaufortin. La Piaillée, c'est le nom local, du patois local, des veillées d'hiver où on se raconte les histoires et où se prépare la mobilisation sociale. Je pourrais vous raconter l'histoire des bulletins de pays. On a fait des quantités de colloques pour comparer des bulletins, les avantages et les inconvénients des uns et des autres.
des premières gazettes de pays, les vidéos de pays. C'est la Folle de Bretagne qui avait commencé, encore les Bretons. Une cassette vidéo qui tournait dans les cafés de village en village et qui racontait les nouvelles du pays et qui cherchait aussi à la mobilisation sociale. Les premières radios de pays, à l'époque où elles étaient encore interdites et pourchassées dans la police. Je pourrais vous raconter l'histoire de la radio locale du Mélois, pays de Ségolène Royal, chassée, classée, enfin enfouie au fond du grenier du centre social de Mel. Et la police avait fini par nous trouver et par mobiliser et par confisquer tout notre matériel. Avant que, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y ait eu une libéralisation des radios locales. Bon. Voilà donc toute une histoire qu'on pourrait raconter pour montrer qu'il y a une vie avant Internet. Alors, j'ai rien contre Internet. Je suis pas très expert, mais je suis content de voir mon arrière-petite-fille tous les dimanches grâce à Skype. Bon. Mais ça remplace pas ça, la voir en chair et en os. Quand je peux aller à Toulouse, j'y vais. Et là, je mesure bien la différence fondamentale entre une communication à travers un outil, si perfectionné soit-il, et la communication face à face. C'est une question que je pose aujourd'hui. Est-ce que la communication par outil interposé ne va pas tuer progressivement la communication face à face dont on a absolument besoin dans le développement local? Deuxième remarque, le développement local, donc né en 1965 en Bretagne centrale, a été dans une alternance permanente et bénéfique entre la théorie et la pratique. Il y a des gens qui, sur le terrain, mènent des expériences de développement local, et dès le début, il y a des chercheurs qui théorisent sur cette expérience et qui ont identifié les différentes phases nécessaires à la mobilisation du développement local. Du développement territorial. La première phase, c'est quand même ce qu'on appelle aujourd'hui, en anglicisme, l'empowerment, le pouvoir d'agir, dans lequel la communication a un rôle essentiel. Comment, disait déjà l'un de nos présidents à l'ADELS, Michel Rocard, comment passer du citoyen passif, qui de temps en temps vote, de moins en moins, à un citoyen actif, qui s'intéresse aux faits locaux, qui a envie d'intervenir, qui a envie ne serait-ce que de protester contre une bretelle d'autoroute, contre un projet d'urbanisme. Comment on fait? Alors nous sommes les enfants de l'éducation populaire, on l'a évoqué tout à l'heure. On sortait, et l'éducation populaire est sortie rénovée et extrêmement dynamisée du Conseil national de la résistance. Et la France est couverte d'équipements. On évoquait les centres sociaux, mais il y avait aussi les maisons des jeunes et de la culture, les maisons pour tous. Pendant, au cinquième plan, pour être précis, la France s'est couverte d'équipements de voisinage qui avaient pour but ce que les gens d'Amérique latine appellent la conscientisation. Hein? La conscientisation, c'est justement de prendre le citoyen tel qu'il est, englué dans ses problèmes personnels, familiaux, professionnels, etc., et d'en faire un citoyen actif. Mais ça, c'est encore du travail individuel. Il faut passer de l'individuel au groupe. Et c'est encore toute une série de modes de communication qui, à l'époque, étaient rudimentaires. C'était l'apprentissage de la prise de parole dans les groupes, c'était la conduite de réunions. On en a fait des centaines de stages pour apprendre aux gens à communiquer entre eux, à travailler entre eux. Ensuite, nous vient, là encore d'Amérique latine, la méthodologie de projet. Comment construire ensemble un projet. Donc, je pourrais vous raconter aussi toute cette histoire. Vous voyez que chaque fois, on a au cœur le problème de savoir comment on met des gens en route.
Comment on déclenche l'envie de, l'appétit de participer? On pourrait prendre une troisième et dernière approche, qui est celle de la sociologie comportementaliste, pour parler savamment, de l'école de Chicago, qui a identifié justement les échelles de la participation. Oh là, à Chicago, ils avaient 11 échelles, depuis la participation zéro, c'est-à-dire la dictature totale, où celui qui ouvre sa gueule, il s'en va au goulag, et la participation 100%, qui est l'absence totale de pouvoir, l'anarchie totale, où tout le monde a le pouvoir. Alors entre les deux, il y a des situations intermédiaires, en particulier celle dans laquelle nous nous situons. Et on a réduit, les sociologues français ont réduit cette échelle de Chicago à 4 grandes étapes. Et à chacune des étapes, la communication est un problème majeur. La première est celle de l'information. On a étudié longuement, je l'ai fait avec l'Université de Paris 7, j'avais un cours là-dessus, les bulletins municipaux par exemple. Est-ce que les bulletins municipaux sont un instrument de brossard-luire du pouvoir, de justification de ses choix, ou un instrument de pédagogie de la citoyenneté? On a épluché 400 bulletins municipaux différents d'une manière assez tristounette, il faut l'avouer. Ça, il y a eu des progrès. Mais il m'arrive encore de ville en ville de feuilleter les bulletins municipaux et de me lamenter sur l'absence de cette dimension pédagogique. Donner aux citoyens non seulement la connaissance des enjeux et des dossiers locaux, mais l'envie de comprendre, l'envie de participer. Le deuxième échelon, c'est celui de la consultation. Il y a un projet municipal, la municipalité désire connaître l'avis des citoyens. Cet avis ne peut se faire que citoyen est informé. C'est une opération horizontale, complexe. Sinon, il y a, comme dans la guerre, un déséquilibre, hein, asymétrique, comme disent les militaires. Hein. Ceux qui savent qu'ont le pouvoir et puis ceux à qui on demande l'avis comme ça, alors qu'ils n'ont pas un dossier leur donnant la possibilité de se faire une opinion informée. On a beaucoup travaillé en particulier sur les enquêtes publiques. Les commissaires enquêteurs, qui sont des gens souvent assez astucieux, se lamentent tous sur la faiblesse des enquêtes publiques. Elles sont obligatoires par la loi. Mais qui répond? Combien? Dans quelles conditions? Informé, pas informé. Ce qui compte, ce n'est pas l'enquête publique. C'est le dossier préalable à l'enquête publique. Alors qui peut être pour lequel on peut utiliser des outils informatiques. Mais c'est là que le citoyen peut se faire une opinion et donner un avis. La troisième étape est celle de la concertation. Alors la concertation, c'est se mettre ensemble, acteurs différents, pour construire un projet. Et là encore, bien entendu, la communication est un élément fondamental, étant donné la disparité de départ entre les gens qui sont autour de la table et qui sont appelés à construire un projet. Donc là-dessus aussi, on a des milliers d'expériences réussies, ratées sur cette concertation. Plus tard, on a parlé des jurys citoyens. C'est pareil. C'est pas tellement la délibération du jury qui est intéressante. C'est le dossier préparatoire à la délibération qu'on a donné à chaque jury pour qu'il soit capable, dans la durée de son conclave, en général, il siège 2-3 jours, pour rendre un avis avec, par exemple, la Commission nationale du débat public. C'est autant d'expériences. Il y a une accumulation incroyable d'expériences. Beaucoup de littérature, je vous invite à y jeter les yeux. Internet n'est pas tout. Très bien, merci beaucoup pour cette mémoire. On a envie d'en dire beaucoup, mais je voudrais me tourner vers le maire dans cette fonction-là, Jean-Philippe, si vous voulez bien, en réaction un petit peu à ce que vous avez entendu et puis à ce que vous vivez au quotidien
parce que je crois que ces éléments vous sont en tout cas familiers et que vous êtes plutôt dans une dynamique qui nous permet de tenir aujourd'hui ce débat d'ailleurs. Et donc je vous en remercie. Je vous donne un autre micro parce que le mien est chaud. C'est désagréable. Voilà. Bah, s'il y en a un qui marche, je pense. Merci. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'accueillir ce colloque. D'abord parce que à Fontenay, les questions numériques sont pour nous un outil, je dis bien un des outils au service du développement local, de la démocratie. Je vais y revenir après. Et puis parce que essayer d'articuler Internet, ou en tout cas le numérique et les questions de solidarité sont aujourd'hui une des questions extrêmement importantes. Alors en vous écoutant, M. Gontcharov, j'avais l'impression de revenir 10 à 15 ans en arrière, puisque j'ai moi-même fait des études, j'ai fini mes études par des études de développement local, donc ce que vous m'évoquez me parle beaucoup. D'ailleurs, c'était la mention développement local, économie sociale et solidaire, donc vous voyez qu'on est complètement dans le sujet, et qu'effectivement, la question du développement local et du développement territorial est plus que jamais d'actualité. Pas simple aujourd'hui, puisque on est dans des phénomènes à la fois de revendication du très local, mais on est aussi dans, et notamment grâce ou à cause du numérique et d'Internet, dans du très global, pour lequel on tente, tout va vite, et puis on peut être en 5 minutes à l'autre bout du monde, ce qui n'est pas simple. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du numérique inclusif. Moi, je parle souvent de ville inclusive, et notamment dans le débat qu'on a actuellement sur les questions de métropole, où certains voudraient que la métropole du Grand Paris soit en concurrence avec d'autres métropoles à l'autre bout du monde sur des logiques financières. Moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est que la ville soit accessible à tous. Et donc, comment on fait en sorte que chacun trouve sa place dans la ville? Et en ce sens, Internet et le numérique sont aujourd'hui extrêmement importants à prendre en compte sur cette question-là, à la fois parce que tout ne passe pas par le numérique et Internet, et en même temps, une partie passe par là aussi. Et donc, il faut arriver à articuler les deux de telle manière à ce que on loupe pas. Il y a des gens qui utilisent le numérique, les réseaux sociaux, enfin, il y a différents canaux, et puis il y en a d'autres qui ne les utilisent pas du tout. Ceci dit, on a besoin, si on veut éviter la fracture, de faire en sorte que chacun trouve sa place avec l'ensemble de ses outils, et c'est une vraie question permanente. Nous, aujourd'hui, à Fontenay, on développe beaucoup de services numériques, mais par contre, on n'a pas décidé de supprimer le service public, c'est-à-dire le rapport humain à la question. Vous avez sûrement entendu dernièrement, je prends cet exemple-là, mais il est flagrant, c'est ce que les grandes entreprises font actuellement, mais le PDG de la Société Générale a annoncé à Fontenay, puisque la Société Générale a un campus très innovant, notamment sur les questions technologiques, un vaste plan social. Et le plan social, il concerne finalement la déshumanisation des agences bancaires. Et on voit bien, si je vous prends cet exemple, c'est qu'on voit bien que aujourd'hui, sur cette question-là, et quand on articule numérique et solidarité, le numérique ne veut pas dire plus d'humain. Et donc je pense que cette question-là et cette réflexion-là, elle est extrêmement importante si on ne veut pas demain se retrouver avec des fractures extrêmement fortes. On a besoin de travailler cette articulation permanente. Le numérique est un outil supplémentaire, est un élément de service complémentaire indéniable, un moyen de communication important, y compris au service de la démocratie de proximité. Mais ce n'est pas le seul, et c'est surtout qu'il ne doit pas remplacer le contact humain. Il doit permettre forcément de fait de renforcer l'évolution du rapport humain, l'évolution des services, mais il ne doit surtout pas le remplacer. Et je pense qu'on est en ce moment à l'orée des chemins, puisque effectivement il y a une tentative derrière le numérique de déshumaniser tout un certain nombre de pans, notamment pour ce qui me concerne de politique publique ou de démocratie. On voit bien, on l'a vu lors de la dernière campagne électorale, hein, les deux candidats les plus innovants, Macron et Mélenchon, étaient les pros de l'Internet. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, qu'on est sorti de campagne électorale, ce soit aujourd'hui les mieux placés dans l'exercice de la démocratie au quotidien, organisationnelle, militante, etc. Puisque le rapport humain, et elle se pose à tous, mais la question... Et pourtant, on a vu que c'était un outil excessivement important et essentiel
de l'exercice démocratique. Donc on voit bien que cette question-là, elle est permanente, avec toujours avoir en tête la question de l'inclusion. Effectivement, pour nous, alors, elle est sur le numérique, mais elle est aussi sur, par exemple, pour une ville comme Fontenay, comment les classes populaires peuvent rester demain habiter à Fontenay, puisqu'on est une ville où le foncier est très élevé, où s'il n'y a pas de logement social, ben, un certain nombre d'habitants ne peuvent pas rester ici. S'il n'y a pas de l'investissement dans le service public, ben, on a un certain nombre de populations qui ne pourraient pas rester vivre à Fontenay. Et donc, il faut être attentif à continuer à investir dans l'espace public, dans les équipements publics, dans le transport, dans le numérique, enfin bref, dans la solidarité. Mais pour ça, il faut que ce soit une volonté politique. Nous, on est déterminés. Donc, en ce sens, on voit bien que pour nous, le lien Internet et Internet solidaire a du sens comme un outil au service d'une politique publique et pas comme une politique et une publique en soi, mais bien comme un objet au service du service public et surtout en direction de la population. Très bien. Merci. Alors, on a un choix. D'abord, est-ce que je te voyais noter, Michel, je te voyais noter alors, je ne sais pas si ce sont des questions, mais en tout cas des réactions. Donc, je vous propose un petit temps d'échange entre nous. Ensuite, on va écouter le billet d'humeur que Patrick peut-être voudra bien exprimer autour de ce qu'on a entendu et également porter une vision peut-être plus encore une portée de sens plus philosophique, voilà. Et ensuite on échangera, on aura bien le temps d'échanger ensemble plus longuement autour de réactions et plutôt que de questions si possible. Michel. Oui, peut-être en réaction par rapport à ce que disait monsieur le maire, c'est que on est conscient aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui sont faites, que effectivement, il faut vraiment articuler le numérique et l'humain. En tout cas, il faut articuler le service, je veux dire, machine et l'humain. Juste au passage, dire que j'ai lu quelque chose qui m'a affolée, c'est que je crois que, alors le CNRS ou autre, un laboratoire avec certainement des gens très bien, qui cherche plus d'un milliard de frais de recherche, enfin de fonds de recherche, pour créer une voie artificielle pour pouvoir répondre aux personnes qui sont à la recherche d'accès de leurs droits. Et là, tu te dis, là c'est vraiment un truc où tu te dis on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on va mettre des milliards pour créer une voie alors que nous sommes des humains, que nous pouvons parler, et que, alors on va créer des milliards pour une voie artificielle, et puis les autres on va les mettre au chômage, enfin bon. Donc là il y a vraiment, c'est là où il faut parler très fort et dire que ça c'est pas acceptable. Même si je comprends bien que pour un universitaire c'est top quoi. C'est un sujet vachement enthousiasmant, mais on peut peut-être dire nous citoyens que c'est pas le monde que nous voulons. Et donc... nous, on pose aujourd'hui la question, comment est-ce que effectivement Internet, notamment face aux personnes qui ont une fragilité dans l'accès, etc., est vecteur de lien social, en tout cas de lien social. Et est-ce qu'on peut s'emparer de la nécessité d'accès à ces services numériques qui va être posée à tout le monde, parce que même si on est une personne de 85 ans, vous voulez régler vos problèmes d'appât, etc., ben, il faudra passer par Internet. Ou si vous êtes un jeune et que vous cherchez du boulot, de toute façon, il va falloir passer par tous ces supports-là. Et en fait, la médiation numérique professionnelle, elle existe, elle a besoin d'être consolidée, elle a besoin d'être affirmée, d'où c'est le rôle de la MEDNUM, de cette nouvelle coopérative qui veut travailler à vraiment donner toute sa place et toute son ampleur à la médiation numérique professionnelle. Mais nous nous interrogeons sur l'accompagnement numérique par des aidants bénévoles. Et là encore, dans le monde social, vous connaissez ce qu'on appelle les aidants familiaux. C'est que dans l'accompagnement individuel des personnes qui sont en situation de perte d'autonomie, il y a bien sûr des professionnels qui sont là, qui apportent un savoir-faire, de la technicité, mais qui sont dans un dialogue avec les aidants familiaux, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de la personne en perte d'autonomie, qui sont de la famille ou des bénévoles. Et aujourd'hui, de plus en plus, on travaille à une articulation entre des aidants professionnels, sociaux, et puis les aidants familiaux. Et nous, on s'interroge sur le fait que, est-ce qu'il n'y a pas aussi là un travail à faire entre une articulation entre des travailleurs sociaux
et des aidants numériques professionnels et des aidants bénévoles qui peuvent effectivement accompagner chacun dans son individualité, dans son quotidien, à être capable d'être partie prenante de cette société numérique. C'est pas quelque chose qui il y a déjà des mouvements qui sont engagés. La ville de Paris a construit déjà une première charte des aidants familiaux. Dans un département qui m'est cher, c'est-à-dire celui des Côtes d'Armor, il y a une association qui s'appelle Famille Rurale et qui travaille avec l'Office des retraités briochins, donc de Saint-Brieuc, c'est pas des brioches, mais l'Office des retraités briochins, a justement pensé cette capacité-là d'être un aidant familial numérique. Et donc, encore une fois, il me semble que par ces interstices-là, on a la possibilité de trouver des solutions avec d'un numérique qui nous crée de la cohésion sociale et de la mise en lien. Dernier élément, je rencontrais récemment la Fédération nationale des emplois familiaux à la maison, des employeurs individuels, et où la question est posée de se dire comment est-ce que les personnes qui viennent au domicile, des personnes notamment âgées ou autres, peut-être peuvent aussi devenir un peu des aidants sur le numérique. Donc vous voyez, les choses sont aussi en train de se transformer. Oui, alors elle se transforme d'autant plus que quand on entend Georges nous expliquer que la formation est préalable à et la connaissance est préalable à la démocratie finalement, et à la démocratie locale notamment, on voit aussi cette donnée dont on parle, soit elle est big data, soit elle est ouverte, au sens où les collectivités doivent ouvrir cette donnée pour permettre notamment la démocratie, si tant est qu'elle soit accessible à tous, ce qui est un vrai sujet. Donc effectivement, on voit notamment la dématérialisation des enquêtes publiques avec des acteurs qui espèrent qu'en dématérialisant les enquêtes publiques, on donne plus d'accès à la connaissance et des sujets, des thématiques, et notamment qu'on ait accès à des données brutes qui permettent à certains qui en ont la possibilité de les analyser précisément, et du coup de créer plus de mobilisation, puisqu'il y aura plus de connaissances, et pas uniquement dans un effet de mobilisation politicienne simple. Donc effectivement, c'est bien la mobilisation de la compétence cognitive des personnes animée grâce à plus d'informations plus précises et peut-être sous des formats très variés qui permettent de modifier les choses. Est-ce que ça peut être un espoir quand même ? Oui, je crois que moi j'ai été très frappé par cette enquête des commissaires enquêteurs sur les enquêtes publiques. Je vais raconter une anecdote dans ma commune. J'habite à Colombes dans les Hauts-de-Seine, donc pas loin de Nanterre. Et le grand projet de la municipalité en place, c'est de faire de Colombes le prolongement de la Défense. Je suis dans un quartier pavillonnaire à 3 km de la Défense, et le projet est d'y bâtir 10 tours de bureaux. Alors la première tour de bureaux était déjà sur les rails, le projet, quand l'enquête publique a eu lieu. Le commissaire enquêteur, je suis allé le voir le dernier jour. Il était très content de me voir car j'étais le deuxième à m'inscrire sur son cahier. La municipalité avait bien pris soin que l'enquête soit la plus confidentielle possible pour qu'il n'y ait pas trop d'opposants à son projet de tour. C'est ça la réalité. Il n'y a eu aucun dossier qui a circulé. Le bulletin municipal n'a même pas eu un article pour expliquer que cette tour allait se dresser là et qu'était la première d'une bonne douzaine qui était prévue entre Charlebourg et le pont de Beson. Bon, le commissaire enquêteur, quand il m'a vu, il était très très content. Et j'ai téléphoné immédiatement à un copain et dit va t'inscrire, on sera au moins trois. Bon, il a rendu un avis plutôt favorable devant l'absence totale de réaction des citoyens. Mais il dit voilà une histoire qui nous pose un problème fondamental. Et qui arrive tous les jours partout. C'est l'étouffement. Comment diffuser l'information qui permet aux citoyens d'intervenir? Alors, je ne dis pas forcément contre la tour, peut-être pour la tour, il y a peut-être des arguments, mais qui permettent d'animer un vrai débat public
avant que soit posé l'acte, d'aller s'inscrire sur le budget ou de mettre un bulletin dans une urne. Donc, moi, je crois, deuxième remarque par rapport à ce que disait Monsieur le maire, il ne faut jamais minimiser la fracture générationnelle. Une société locale, ça comporte quand même beaucoup de personnes âgées. Alors, je ne parle pas de moi, mais enfin, à mon âge, je pourrais. J'ai eu mon premier ordinateur, encore une anecdote, il y a assez longtemps. J'étais un petit peu inquiet devant la bête. J'ai donc demandé à mon fils de venir et de la brancher et de l'initialiser. Et il est venu avec mon petit-fils qui avait 4 ans. Quand mon fils a eu terminé, il m'a dit, tu t'assieds devant l'ordinateur et tu commences. Je prends la souris et mon petit-fils de 4 ans, je l'entends encore, me dit, grand-père, ça ne tient pas comme ça une souris. Alors, généralisons, disons, il y a quand même beaucoup de personnes à qui l'outil fait peur. Je vois bien, la Maison des Jeunes de Colombes a un atelier d'initiation à l'informatique pour le troisième âge, et ça n'a rien d'évident. Bon. Il y a aussi, alors là c'est plus dans mon propos, une fracture territoriale. Enfin, la couverture de la France n'est pas totalement terminée, le haut débit n'est pas partout. Il y a eu, à propos de l'acte 3 de la décentralisation, des débats parlementaires gigantesques pour savoir qui était responsable de la terminaison de la couverture de la France, les conseils départementaux ou les conseils régionaux. Les élus se sont entre-déchirés entre eux. Bon, c'est un enjeu tout à fait majeur. Hein. Bien sûr. Donc, dernière remarque, troisième et dernière remarque, je m'interroge moi, par rapport à mon histoire et à ma vie sur la pertinence de l'échelon communal devant la montée de l'intercommunalité. Est-ce que Fontenay-aux-Roses... Sous-Bois, pardon. Est-ce que Fontenay-sous-Bois... On pourrait parler de Fontenay-aux-Roses, c'est mon, mon département, ce serait moins c'est pour pertinent ça. Pour nous. Est-ce que Fontenay-sous-Bois... Et a encore quelques pouvoirs réels, et lesquels, par rapport au territoire du Grand Paris. Bon. On est pris, est-ce que la petite commune de la communauté XXL que nous a taillé la troisième acte de la décentralisation, a encore un quelconque pouvoir? À quel niveau se situe le pouvoir? Et comment voulez-vous que le citoyen s'y reconnaisse alors qu'il a en face de lui un conseil municipal qui, quand il l'interroge, lui répond « ça dépend pas de moi, mais ça dépend de l'intercommunalité ». L'intercommunalité, comme on le sait, c'est le grand trou noir de la communication en France. Même les élus municipaux de base ne savent pas ce que leurs représentants vont faire à l'intercommunalité, le citoyen encore moins. Alors, si on va interroger l'intercommunautaire, on va vous dire, voyez le conseil départemental, c'est lui. Bon, c'est totalement invraisemblable, notre complexité. Est-ce que Internet permet de naviguer dans la complexité? Voilà. Je pense que c'est une bonne introduction. Est-ce qu'elle est porteuse d'une pédagogie de la simplification? Oui. Autrement, le citoyen ne s'y reconnaîtra jamais. Il sera de plus en plus démissionnaire. Oui. Oui, et quand on y ajoute en plus les flux et tout le numérique passif qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, en tant qu'émetteur ou récepteur, ça ajoute aussi une dimension sur cette interterritorialité que tu interroges. Alors, je vais proposer à Patrick, s'il veut bien... Non, il va s'installer là. Mais comme tu veux, mais il n'y a pas de... Oh non, pour la caméra en plus, ce sera bien. Je rappelle qu'on est en direct avec un certain nombre de personnes. Nous n'avons les chiffres qu'après. Et je vois que ça tweet beaucoup. J'entends mon téléphone qui buzz régulièrement. Voilà. Oui, mais je t'en prie. Mais on ne peut pas analyser la graphologie de Patrick, du coup. Donc, on a une information au moins. Je te laisse directement réagir à tout ce que tu as entendu et apporter ta pierre à ce débat avant de parler avec nos amis dans la salle.
Alors, je trouve que les éléments qui ont été apportés sont très riches. Et moi, je voyais trois grandes questions qui traversaient les échanges. Il y a toute la question du rapport entre numérique et fracture sociale, et alternative à la fracture sociale, la question de l'inclusion. Il y a toute la question politique, manipulation ou au contraire aide au pouvoir créateur, voire, comme vient de l'évoquer aussi Georges à l'instant, à la capacité de simplification et du même coup de plus grande implication citoyenne. Il y a plus radicalement encore la question qu'on peut qualifier d'anthropologique, les rapports entre les humains et puis les nouvelles machines, qui est intéressante parce qu'elle se produit au même moment où le débat sur les nouveaux rapports entre les humains et les animaux prend une importance considérable. Donc c'est à la fois la question intergénérationnelle, on vient de l'évoquer, mais aussi la question des rapports avec les non-humains. Il me semble que pour avancer sur ces trois questions, qui étaient aussi très présentes dans votre intervention, monsieur le maire, ça peut être utile de repartir de la toute première interrogation, qui était celle-là même que, Florence, tu as évoquée, quand tu as émis des doutes sur l'usage même de termes qui sont aujourd'hui récurrents, tels que, par exemple, le terme de révolution numérique. Et je crois effectivement qu'il y a là une clé, parce qu'il faut bien voir le terme de révolution numérique, on a pris l'habitude de l'utiliser en permanence, il a un côté très réducteur. Les acteurs qui ont été les premiers à anticiper cette formidable mutation, on a participé ensemble à tous les travaux de la revue transversale Sciences Culture, on a travaillé avec des gens comme Thierry Godin, qui à l'époque avait lancé la problématique de la révolution de l'intelligence, ben, il est clair que quand on parlait de révolution de l'intelligence, de société de l'information et de la connaissance, ou même de mutation informationnelle, on disait des choses qui étaient potentiellement beaucoup plus larges et profondes que le seul terme de révolution numérique. Le terme de révolution numérique, il déclenche immédiatement chez les groupes et les personnes qui l'entendent une réaction de type adaptative. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le coup ou non de cette affaire? Et si je n'y suis pas, ça déclenche immédiatement soit de la peur de sortir de l'histoire, soit de la logique compétitive pour, malgré tout, ne pas être trop largué par le système. Alors que quand on parlait d'information, de connaissance, a fortiori, ou d'intelligence, le nombre d'acteurs qui se disaient « j'ai ma place dans cette nouvelle histoire, quand bien même je ne serais pas un as de l'usage du smartphone, de la tablette, de l'ordinateur ou de n'importe quel autre outil », cette inclusion-là, dont on a beaucoup parlé sur le plan social, sur le plan politique, elle pose aussi question sur le plan sémantique. Alors, c'est d'autant plus paradoxal que si on fait un arrêt sur image sur le terme de révolution numérique, on peut dire qu'on est en présence quasiment de ce qu'on appelle un oxymore. Vous savez, oxymore, c'est quand deux termes sont a priori contradictoires l'un avec l'autre. Parce que rien n'est moins révolutionnaire que le langage numérique. Le langage numérique, il remonte à plusieurs siècles et même à plusieurs millénaires. Par exemple, vous le trouvez dans le fameux yin-yang, où le numérique, ça peut s'exprimer aussi bien
par des chiffres tels que le 1 et le 0, mais ça peut être des creux et des bosses, ça peut être des blancs et des noirs, etc. Et des mâles et des femelles, et c'est pour ça que le yin-yang est le premier langage numérique, avec y compris une composante très intéressante qui va nous intéresser, qui est une composante cosmique et anthropologique, hein, puisque si le yin-yang renvoie à la fois non seulement au masculin et au féminin, mais aussi au ciel, à la terre, etc., c'est quelque chose qui va nous intéresser. Mais le numérique, de ce point de vue-là, n'a rien de révolutionnaire, et s'il a un double avantage qui est celui de sa simplicité et de sa possible universalité, parce que de fait, tout peut potentiellement s'exprimer par des éléments binaires, il a eu pendant des siècles et des millénaires un énorme inconvénient, et c'est pour cette raison-là qu'il n'était pratiquement pas utilisé, c'est qu'il prenait beaucoup d'espace et qu'il prenait beaucoup de temps. Beaucoup d'espace, parce que faites déjà simplement l'essai de transformer une base 10 en base binaire, et ben, dès que vous arrivez au chiffre 2, vous êtes obligé de prendre plus d'espace, et puis si vous faites pas simplement du chiffre, mais de l'alphanumérique des lettres, alors là, ça va être beaucoup plus considérable, et si vous voulez rajouter des images et des sons, évidemment, vous n'en sortez pas. Donc, pendant très longtemps, malgré sa simplicité et son universalité potentielle, le numérique n'a pas été utilisé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il est utilisé ? C'est une révolution qui est, elle, une vraie révolution, mais qui n'est pas celle du numérique. C'est la révolution qui a été introduite par la physique quantique et par les conséquences de la physique quantique qui ont permis notamment que la question de l'espace et du temps a été réglée quand on a été capable d'inventer le laser, le transistor, le microprocesseur, etc. On a été capable du même coup, en miniaturisant et en l'espace, mais aussi le temps, de régler cet énorme problème qui empêchait le plein usage du numérique. Mais cette révolution de la physique quantique qui a ouvert à des technologies telles que le microprocesseur, le laser, le transistor, etc., d'où vient-elle elle-même ? Elle vient d'un changement radical dans la vision même des rapports entre les humains et l'univers, dans la vision qu'ils avaient classiquement de la distinction entre le matériel et l'immatériel, du sujet et de l'objet. Et si on avait à résumer d'une façon un peu brutale la grande découverte de la physique quantique, c'est de nous faire comprendre que nous sommes dans un univers vibratoire et que nous sommes nous-mêmes des êtres vibratoires. Cette table-là, dont j'ai l'impression qu'elle est solide et qu'elle est un pur objet extérieur à moi-même, c'est un ensemble vibratoire où il y a 99,999% de vide, et c'est la nature des fréquences vibratoires qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir soit des flux de transmission, soit au contraire des flux de rétractation et d'opposition. Mais si je prends au sérieux ça, et si au lieu de dire révolution numérique, si je dis métamorphose, parce que c'est beaucoup plus qu'une simple révolution, ça, et si je dis c'est une métamorphose vibratoire, parce que c'est fondamentalement la compréhension du caractère vibratoire de l'univers et des êtres qu'il compose, ben évidemment, là où je vous dis révolution numérique, ben vous pensez adaptation aux nouvelles machines, et si vous n'êtes pas parmi les as de l'adaptation, vous allez vous sentir en dehors du coup. Tandis que si je vous pose la question à quel moment de votre vie est-ce que vous vous sentez le plus en vibration, il est probable, et on peut encore du moins l'espérer, que ça sera autant dans le rapport à la beauté, à l'amour, à la poésie et à la musique, bien entendu, que simplement quand vous êtes devant vos petites tablettes, vos smartphones et compagnie. Et même quand je suis devant ma tablette, ce qui m'intéresse, c'est moins
le codage informatique qui la permet, ou ce qui m'intéresse dans ce codage informatique, c'est pas la partie technique, c'est la partie politique. Je vais y revenir parce que j'ai pas du tout envie, comme citoyen, comme on dit, que les algorithmes prennent le pouvoir ou qu'une nouvelle technocratie prenne le pouvoir derrière les algorithmes. Mais c'est la question politique plus que la question technique qui m'intéresse. Et pour l'essentiel, 90% de l'intérêt que je vais accorder à ces petites machines, c'est l'accès à des contenus qui ont le formidable avantage de me mettre moi-même dans un rapport vibratoire à des cultures, à des connaissances, à une mémoire extraordinaire. Le seul fait de me poser une question, je dis par exemple, tiens, j'écoute Georges Goncharov, je dis, mais c'est absolument passionnant, là, toute cette histoire, l'ADELS, l'éducation populaire, etc. J'ai senti un certain nombre d'éléments qui me font vibrer, mais en même temps, je n'ai pas eu le temps de tout noter, j'ai envie d'en savoir plus, etc. Le fait de me dire, tiens, quand je vais sortir de cette réunion, je vais aller sur un moteur de recherche, de préférence un autre que Google, pour dégoogliser, et je vais taper par exemple ADELS, cette association formidable qui a maintenant disparu, et je vais découvrir à travers l'histoire de l'ADELS des éléments absolument décisifs qui vont me permettre à partir de cette histoire de comprendre qu'effectivement il y a eu une vie avant Internet, mais qu'elle va m'aider aussi dans la situation actuelle, ça c'est une chance extraordinaire. Donc vous voyez, pour avancer sur les trois grandes questions, comment on aide à ce que le numérique ou le vibratoire soit un appui vers des sociétés inclusives plutôt qu'un renforcement de la fracture sociale, sur la question politique, comment c'est un levier au service de la citoyenneté et non pas une aggravation de nouvelles formes de pouvoir manipulateur. Et sur la grande question anthropologique, comment ça nous aide à mieux définir ce qu'il va y avoir de spécifiquement humain dans nos rapports sociaux, politiques et culturels. Parce que si vous prenez un débat qui est évidemment fondamental, qui est par exemple le débat sur la question du chômage et le risque que les nouveaux outils produisent des effets de destruction d'emplois massifs, la grande question de l'avenir, c'est qu'est-ce que les humains savent faire de mieux que les robots même sophistiqués seront incapables de prendre en charge. Et ça, c'est une question qui est bougrement intéressante pour aller régler et la question de la fracture sociale et la question de la fracture politique. Par exemple, on peut dire un robot, même sophistiqué, il ne sera pas capable de s'émerveiller. Donc, tous les métiers qui ont un rapport à la beauté, et j'entends le mot métier au sens fort, là aussi, le sens des mots nous aide. Métier, ça ne veut pas dire emploi. Emploi, ça veut dire être plié à. Métier, c'est un mot qui nous vient du XIIe siècle, du compagnonnage, qui est la contraction de deux mots latins. Et si je mettais ça sur un moteur de recherche, j'aurais certainement appris beaucoup de choses, qui veulent dire ministère et mystère. Un métier, c'est un ministère mystérieux. Donc en réalité, c'est beaucoup plus qu'un job, un emploi, et a fortiori qu'un travail. C'est ce qui correspond à du projet de vie, à de la vocation. Et donc le grand problème de l'avenir, ce n'est pas la question des emplois, parce que ça, les robots, c'est parfait pour être pliés à, c'est la question des métiers, ou ce que la grande philosophe Hannah Arendt appelait le passage des civilisations du travail aux civilisations de l'œuvre. Comment faisons-nous de notre propre vie une œuvre ? Si je raisonne en termes de métiers, eh ben je vais dire, oui, il y a des métiers qui incluent le rapport à la beauté. Les métiers d'artiste, bien sûr, mais tous les métiers de l'artisanat ou du néo-artisanat, mais aussi les métiers de pays. Par exemple, le retour du métier de paysan, alors qu'il y a une crise du métier d'agriculteur, les métiers de pays, eh ben dans les métiers de pays, la façon dont on préserve la beauté de la nature, la beauté d'un territoire, redevient
un enjeu majeur. Ça, c'est typiquement des types de métiers que les robots, même sophistiqués, ne pourront pas prendre en charge parce que les robots sont incapables de s'émerveiller. Deuxième catégorie de vécu que les robots ne seront pas capables de prendre en charge, c'est tous les métiers qui ont un rapport à l'amour, au sens large du terme. Parce qu'on peut imaginer, on le voit de plus en plus dans les films de fiction, d'avoir des robots sexuels hyper sophistiqués, androïdes, etc. Et de ce point de vue-là, quand il y a du harcèlement sexuel, tant qu'à faire, il vaut beaucoup mieux pour tout le monde que ce soit des robots sexuels qui soient victimes, entre guillemets, du harcèlement sexuel plutôt que des êtres humains, en particulier des femmes. Mais pour autant, c'est une incapacité anthropologique d'aimer qu'il y a du côté des robots. Et donc la grande question pour les humains, c'est comment progresser dans l'art d'aimer, que ce soit l'art d'aimer amoureux proprement dit, parce que là-dessus nous sommes encore quasiment à l'âge de pierre et la marge de progression est formidable, mais aussi tous les autres métiers qui intègrent la qualité relationnelle comme un élément fondamental. Quand on parle, comme vous l'évoquez pareil tout à l'heure, la question des aidants, quand on parle de ce qu'évoquait Georges à propos des rapports intergénérationnels et du fait que le contact interhumain, il a une spécificité radicale et que c'est très bien d'avoir Skype ou n'importe quel outil qui peut nous permettre de la communication à distance, il y a toujours un moment où le rapport interhumain est fondamental. Dans le politique et dans l'enjeu de la citoyenneté, c'est la même chose. Ça, ce sont tous les métiers qui intègrent le rapport à la relation et à l'amour au sens le plus large du terme. Les métiers du care, les métiers du soin, les métiers de la relation, tous ces métiers-là sont des métiers d'avenir. Et puis vous avez tout ce qui est lié au sens. Parce qu'un robot, il ne se posera pas la question du sens de sa naissance, de sa vie et de sa mort. Tout simplement parce qu'il n'est pas né et il ne va pas mourir. Il a été fabriqué. Il tombera en panne, éventuellement on l'enverra dans une déchetterie. C'est pas la même chose que se poser les questions du sens. Donc tous les métiers de l'éducation, on vient d'en parler, y compris avec l'éducation populaire, tous les métiers de la culture, tous les métiers de la spiritualité, en entendant le terme de spiritualité dans son sens laïque, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on peut se poser les questions du sens indépendamment de traditions religieuses ou spirituelles transcendantes, etc., voilà des métiers d'avenir. Et vous comprenez bien à ce moment-là que si on raisonne en ces termes-là, la grande perspective qui, elle, est éminemment positive et qui permet aux êtres humains de grandir en humanité et d'envisager un pacte social qui est justement beaucoup plus du côté de ce que Hannah Arendt appelait l'œuvre que le travail. Travail, je vous rappelle, là aussi le sens des mots, c'est un mot très dur. Travail, ça vient du tripalium en latin, ça veut dire trois pieux. Dans le meilleur des cas, c'est pour empêcher les chevaux de se débattre pendant qu'on les fait. Et dans le pire des cas, c'est trois pieux comme instrument de torture. C'est très bien d'humaniser le travail pour limiter la casse, mais c'est encore mieux de dépasser la logique du travail comme dépendance pour aller vers la logique de l'œuvre, du métier comme pleine réalisation de l'humanité. Alors il me semble que si on se place dans cette perspective, qui est beaucoup plus celle justement de la métamorphose vibratoire que de la simple révolution numérique, on va se donner effectivement les moyens d'avoir des sociétés pleinement inclusives parce que pleinement humaines, des sociétés qui vont donner à la citoyenneté sa pleine fonction, et notamment sa pleine fonction de discernement, parce que l'un des enjeux majeurs qu'on va avoir en permanence, c'est quel est le bon usage que l'on va faire de ces différentes mutations technologiques, que ce soit celles dites du numérique, ou que ce soit celles beaucoup plus importantes encore par ses conséquences des biotechnologies qui est en train d'arriver. Et ça veut dire que la question du discernement
Donc à la fois la question éthique et la question politique de la qualité démocratique, parce que la question du bon usage ou la question du mésusage est la question fondamentale du discernement, eh bien ces éléments-là, ils peuvent nous permettre effectivement, à mon sens, d'avancer positivement dans les trois termes fondamentaux de ce débat que j'ai entendu, en tout cas dans la première partie de cet échange. Vraiment, grand merci. Je crois que c'est un raisonnement qui répond en tout cas à l'attente personnelle, si je peux me permettre, que j'avais en vous invitant tous les trois. C'était de construire un état des lieux avec les inquiétudes et les incertitudes et d'atterrir, et grâce à toi, on le fait pleinement, sur une image positive et d'espoir qui est de reprendre finalement, de remettre le vivant, la vie et l'amour au sens plein des termes, au centre de nos préoccupations sociales et donc de nos villes. J'aimerais d'ailleurs encore te poser une question, si tu veux bien, Patrick. On parle de ville intelligente, on parle, encore un mot, encore une expression. Alors, pour faire plus souple, on dit territoire parce qu'on parle d'interterritorialité, etc. Alors, ce n'est pas tant sur l'intelligence que poserait ma question, mais plutôt sur la notion de ville. Parce que Georges avait suggéré aussi, que devient la ville dans tout ça. Est-ce que tu as une piste à nous donner sur cette question-là? Il me semble que l'une des pistes intéressantes, qu'il est la question de l'intelligence et la question du territoire, plus large que la question de la ville, c'est la question de l'intelligence sensible. Parce que, d'abord, au sens précis du terme, l'intelligence suppose la conscience. C'est pour ça que tous ceux qui nous annoncent derrière le transhumanisme avec la fameuse singularité, le moment où les robots vont être plus intelligents que nous, etc., à mon avis, se plantent pour des raisons anthropologiques fondamentales. C'est-à-dire, vous pouvez avoir effectivement des robots qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus experts que nous sur quantité d'activités qui impliquent une redondance, une pénibilité, etc. Mais à partir du moment où il y a exigence de discernement, où il y a exigence de relation, où il y a exigence, y compris de relation avec la nature et l'univers, et là on retrouve la question de la beauté, eh bien l'intelligence suppose la conscience, mais pas simplement la conscience mentale. L'intelligence sensible, c'est-à-dire le fait que nous, êtres humains, nous sommes autant des êtres de désir, de passion, que des êtres qui sommes capables de faire fonctionner notre néocortex. Et l'intérêt du rapport entre territoire et intelligence, c'est que le territoire, il nous rappelle à la corporéité, à la terre, et y compris à la terre en nous, qui est celle de nos propres corps. Et si je prends un exemple tel que celui des méthodes de construction de désaccords, qui est une méthode que nous utilisons dans les réseaux de citoyens de façon à dépasser le stade des malentendus, des soupçons, des procès d'intention, pour véritablement ouvrir le débat sur l'essentiel et faire à ce moment-là du désaccord une chance et une ressource. Et ça, c'est une question centrale dans le politique démocratique. Comment transformer de la violence en conflit? Comment transformer des ennemis en adversaires? Bien, dans une méthode telle que la construction de désaccords, on commence par un débat mouvant. C'est parce que les mots mêmes que nous allons utiliser, comme le langage, c'est d'abord notre premier habitat émotionnel, eh bien, on va commencer par prendre ces mots. Par exemple, si je vous dis « révolution numérique », comment est-ce que vous vous sentez avec ce terme? Et à ce moment-là, un débat mouvant, ben, y a ceux qui se sentent bien avec le terme qui vont se mettre à un coin de la pièce, ceux qui se sentent mal à un autre coin, ceux qui sont mitigés à un troisième, et ceux qui sont indifférents ou émotionnellement neutres à un quatrième. Et dans un premier temps, on va simplement s'écouter sur les raisons de ce ressenti.
Et au fur et à mesure, on va voir les lignes bouger au sens propre et au sens figuré. Et peut-être que Georges, qui dans un premier temps sera mis soit dans la case « moi j'ai rien à dire » parce que etc., soit dans la case négative pour les raisons qu'il a évoquées, va se mettre à bouger en disant « ah, mais si c'est ça le numérique, eh ben moi je peux bouger, y compris positivement ». Donc vous voyez, la question de l'intelligence sensible sur le territoire, elle est effectivement déterminante, mais à ce moment-là, il faut pleinement la réintroduire. Merci. Donc la parole est là. Elle ne sera pas mouvante aujourd'hui au sens physique, mais on peut le jouer aussi comme ça. Vous avez sûrement, j'ai vu beaucoup de gens prendre des notes et ouvrir leur conscience à ce débat. Je vous en remercie pour l'écoute très attentive qu'on a tous sentie ici. Qui veut ouvrir cette parole? Alors, madame, voilà. Mesdames. Bonjour. Évidemment, j'ai un peu le trac pour prendre la parole après vous tous. C'était quand même assez phénoménal et vraiment merci de vos interventions. Je vais dire de quelle place je parle. Je suis Laurence Mesureur. Au départ, j'étais travailleur social et on a tous quelque chose de Fontenay. J'ai été travailleur social à Fontenay-sous-Bois et ensuite, j'ai eu tout un parcours en gérontologie. Je travaille toujours au département, mais maintenant à l'éducation et au collège. Donc éducation collège, évidemment, vous savez que le département du Val-de-Marne a remis à tous les collégiens un ordinateur et que, évidemment, maintenant, c'est la question des usages après les équipements qui se posent. On a aussi, je le souligne comme ça en passant, pour ma direction, développé la place des parents dans l'éducation, dédié des espaces au sein des collèges pour que les parents puissent s'impliquer. Et donc aussi, on expérimente des ateliers numériques pour que les parents qui sont volontaires s'apprivoisent de tout ça. Et c'est une dynamique assez intéressante. Ce que je voulais juste apporter comme regard aussi, c'est que j'ai participé à Educatech Educatis il y a 15 jours. Et j'ai participé à un débat où la Ligue de l'enseignement, donc l'Association d'éducation populaire, a présenté un travail qu'il mène au niveau européen avec les Anglais et les Norvégiens sur un outil numérique que je n'identifiais pas, qui s'appelle des Open Badges. Et j'en parle parce que ça veut dire badge ouvert, ça veut dire surtout que cet outil est en train d'être expérimenté avec des gens pour lesquels, dans le travail social, on pourrait dire, il est important de développer leur repère de capacité à agir, comme vous le disiez très bien. Évidemment, l'outil en tant que tel est un support, mais qui devient un CV infalsifiable parce qu'on va pouvoir parler, prendre des images, montrer que c'est soi dans différentes situations données. Les capacités à agir vont être évaluées par des pairs à un moment donné, et ça, c'est très important aussi d'être pas expert et personne, mais pair à pair pour pouvoir. Une expérience qui était racontée, c'était notamment un asinier, je ne sais pas si vous savez ce sont les asiniers, les éleveurs d'ânes, dresseurs d'ânes en Normandie, qui pensaient, quand il a été dans cette mise en situation de repérage de ses capacités à agir, disaient, mais moi je ne sais rien faire. Et puis il travaillait avec un apprenti, et puis effectivement, les gens qui l'accompagnaient disaient, mais tu sais absolument faire une démarche de transmission, des étapes, c'est donc des données, enfin des capacités tout à fait transposables. Enfin bon, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais je trouve que, évidemment, en ayant été dans le travail social, toutes ces questions m'animent encore beaucoup, et je pense que ce soit pour les jeunes en échec scolaire, en décrochage, ou que ce soit pour des adultes de toutes sortes mis de côté de la société, c'est pas que le numérique révolutionne tout, mais c'est qu'en tout cas ça nous amène à avoir des outils qui peuvent aussi complètement renouveler des pratiques et être côte à côte, comme vous le disiez, et pas forcément face à face dans un jugement d'expert. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup de cet exemple. Badge, c'est assez intéressant. Bonsoir. Bonjour. Je ne sais pas si je parle d'ici. Ou de oui, 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 c'est bien. Je m'appelle Justine Delahaye. Je suis là sur invitation de Ville Internet et donc de Florence. Donc merci. Je travaille dans une start-up de l'économie sociale et solidaire qui veut utiliser le numérique pour faire se rencontrer les gens dans la vie réelle, pour créer du lien social.
Donc c'est un sujet qui me touche. Donc le printemps citoyen, voilà. En préparation. Oui, le printemps citoyen en préparation, mais en fait là je prends la parole plus en tant que citoyenne voisine, puisque je réside à Rosa Parks, dans le 19e arrondissement, qui a un arrêt de RER d'ici. Hier soir, j'ai participé pour la première fois à un conseil citoyen. Et en fait, j'ai découvert une initiative qui a eu lieu le 25 novembre, qui s'appelle la Marche pour la paix dans le 19e, dont vous avez peut-être entendu parler, suite au meurtre en bas de chez moi de jeunes qui s'entretuent, puisque en fait, quand on habite soit à Riquet, soit à Crimée, etc., si on traverse une frontière, ils s'envoient quelques jets de balles. Et donc, c'est de se dire, et il y a trois mamans qui se mobilisent en fait aujourd'hui pour dire, bah, nous, on va monter un collectif pour aller rencontrer ces jeunes en bas, etc., pour qui sont déscolarisés, qui sont sortis de tout ça, voilà. Et en fait, l'humain pour moi est essentiel. Et là, je dis juste, pour moi, la question, c'est comment utiliser le numérique. On parle là d'internet solidaire. Comment faire en sorte que ça les aide à monter en puissance, puisque on a besoin d'humains, on a besoin de gens pour aller résoudre ces causes-là, pour aller faire se parler les gens. Comment on crée du lien entre des gens qui s'entretuent. Voilà. Et voilà. Bon, c'est un peu triste comme sujet, mais voilà. C'était un bel appel. Je crains qu'on ne puisse pas répondre directement. On va continuer l'échange, et puis évidemment, chacun pourra réagir, y compris intégrer les questions précédentes dans son intervention, si vous le souhaitez. Madame. Bonjour. Juste la contribution de madame me fait juste penser que j'espère qu'on n'attend pas le numérique pour résoudre ce genre de choses. J'ai entendu des termes qui m'ont beaucoup touchée. Enfin, j'ai été assez sensible à un certain nombre de concepts. Alors, monsieur Vivret parlait d'Anna Arendt. Anna Arendt avait notamment dit que le progrès et la catastrophe sont la verre et le revers d'une même médaille. Et il y a beaucoup d'attentes, effectivement, par rapport au numérique. On parle de révolution numérique, effectivement, c'est plein de promesses. Et on parle aussi beaucoup de dématérialisation, de virtuel. Et moi, je voudrais revenir justement dans la territorialité et la corporalité et le fait que le numérique, c'est pas que du concept. Alors effectivement, la démarche participative, partage des idées, c'est fantastique, mais tout ça s'ancre dans une réalité matérielle. Et donc, je viens vers vous avec la question des limites, c'est-à-dire notamment, par exemple, la limite énergétique, parce que lorsque l'on remplace des actions qui ne nécessitaient que l'énergie humaine, et qu'on les remplace, ces actions, par la nécessité de passer par des systèmes qui utilisent de l'énergie, aujourd'hui, où l'accès à l'énergie est quelque chose de très problématique, voilà, je m'interroge, comment allons-nous dépasser cette contradiction ? La deuxième contradiction, c'est également la limite des matières rares, des terres rares, des métaux lourds qui sont nécessaires à la fabrication de ces systèmes, de ces terminaux. Le Wi-Fi fonctionne avec du germanium, ça utilise du cobalt, enfin ça utilise des matériaux qui sont concrètement extraits des mines. Alors effectivement, certains chercheurs du CNRS travaillent sur des projets effectivement ahurissants, et puis d'autres ont une réflexion très intéressante. Je pense notamment à un laboratoire du CNRS qui est spécialisé dans l'impact environnemental des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et qui avait produit un livre très intéressant qui montrait le coût énergétique de tout ce qu'on nous présente comme une dématérialisation, mais qui en fait est extrêmement matérialisé, extrêmement coûteux pour notre environnement. Et si ce coût, il n'est pas ici, chez nous, dans nos sociétés riches, il est dans des zones qu'on ne voit pas, avec des enfants qui travaillent dans des mines, avec des conditions épouvantables. Enfin voilà, sans vouloir trop grossir le trait. Et puis la troisième limite, elle est directement en lien avec quelque chose. Et je vous avoue, monsieur Vivret, que j'étais très surprise ce matin
de vous entendre parler de physique quantique et de monde vibratoire, parce que pour moi c'est une évidence. J'ai lu récemment Jean-Pierre Lantin qui mettait en avant les travaux de Georges Lakowski au début du XXe siècle, ou de chercheurs qui ont montré que le secret de la vie est dans la vibration, et que nous ne sommes pas que des compositions chimiques et moléculaires, mais que nous sommes un système extrêmement complexe de transmission d'informations à travers des oscillations des cellules. Et effectivement, il semblerait que la médecine du 21e siècle sera vibratoire et bioélectromagnétique, et non pas que chimique. Et donc, se pose aujourd'hui donc la limite de l'être humain. Parce que malheureusement, ce numérique, qui pourrait être effectivement fait de façon intelligente, il passe trop souvent par les ondes. Monsieur Goncharov, tout à l'heure, parlait de la fracture territoriale. Eh bien, je lisais récemment les travaux du gouvernement qui envisage que ça... J'interfère avec le micro, excusez-moi. Oui, merci. Cette fracture territoriale, il est tout à fait question au niveau du gouvernement et des industriels, je pense aux opérateurs, de la dépasser, non pas en utilisant du filaire ou de la fibre, mais en utilisant la 4G. Et la 4G, ce sont des ondes qui viennent en interférence de nos systèmes de communication, et on voit aujourd'hui apparaître... Nous voyons aujourd'hui apparaître des maladies donc émergentes, et notamment de plus en plus de personnes qui deviennent intolérantes aux champs électromagnétiques. Et donc, ça renvoie à la question de l'inclusion, parce qu'on est en train de fabriquer une société qui exclut. Et sur notre ville, à Fontenay-sous-Bois, nous avons des personnes qui sont docteurs en informatique, professeurs en informatique, enfin qui a priori n'avaient pas d'opposition au numérique, et qui se voient contraints de se retirer de la société, de se mettre en arrêt de maladie, de demander à la maison départementale pour le handicap le statut de travailleur handicapé, et ça coupe le lien social aussi, ça coupe l'accès à un certain nombre de structures. On ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus parler avec l'autre parce qu'il a sur lui un téléphone portable, voilà. Donc la question des limites. Des limites. Merci beaucoup. Ce sera sur cette question que Patrick va nous quitter, mais grâce aux outils numériques, on reste ensemble et reliés, et aux livres qu'il faut absolument lire. Merci d'avoir été parmi nous, et bon rendez-vous pour ce déjeuner dans Paris. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Voilà, alors quelqu'un d'autre, je crois, avait demandé à s'exprimer. Les questions, d'ailleurs, éventuellement, on pourra les transmettre à Patrick, puisqu'on lui enverra les moments vidéo ou les quelques relevés de ces questions. Alors, le micro va fonctionner. Voilà. Voilà, juste quelques mots un peu naïfs. Je pense au-delà de la physique quantique dont on parlait tout à l'heure. Oui. Il y a l'homme, l'être humain dans sa subjectivité et dans sa fragilité. Les 10% dont on parlait tout à l'heure, il y a une fragilité générale, et je me demande si avec les neurosciences et le numérique, on ne va pas un peu robotiser l'être humain. Ça, c'est une de mes ambivalences vis-à-vis, tout en reconnaissant vraiment l'utilité de partager le numérique. Et je voudrais poser un peu une question. Bon, il y a la fragilité serait une force, c'est ce que j'entends dans votre propos, ou serait en risque? Pardon? La fragilité serait en risque ou justement une force à protéger? La fragilité qu'il faut reconnaître, parce que on balance comme ça le progrès, l'homme qui va dominer tout avec son
il y a quelque chose d'autre. Hein. Je dis simplement si le numérique s'arrête par un accident malveillant ou réel, ou si... bien sûr. S'il y a... La panne. Voilà, et aussi l'addiction qui est menée, qui est en fait une sorte de matraquage. Il faut revenir un peu aux choses plus relatives, quoi, pour que l'homme ne perde pas son autonomie. Hein. Ça, c'est ça l'inquiétude que je... l'autonomie dont vous parliez tout à l'heure, monsieur, de parler... moi, je suis psychothérapeute et je ne crois pas qu'on peut remplacer la parole directe par le numérique. Je crois qu'on l'a tous dit. Hein. on est d'accord ici, en tout cas. Je pose la deuxième question par rapport à bon, je suis très actif à Fontenay au niveau particulièrement de l'écologie. La question qu'on n'a pas soulevée, le numérique, c'est quelque chose de très polluant actuellement. Si madame vient d'en parler longuement... Oui, mais vraiment, ça n'a pas été développé. Et je renvoie d'ailleurs au rapport de Greenpeace sur le sujet, puisqu'il y a un rapport qui est sorti, et c'est un sujet qui commence effectivement à sortir dans pas mal d'endroits. Il y a un programme Ordi 2.0 aussi en France qui fonctionne assez bien pour la... Vous le connaissez, je crois, ici à Fontenay. Alors, troisième question que je pourrais, au niveau de la solidarité, est-ce qu'il peut y avoir un fournisseur, mais très basique, pour justement une partie de gens qui, au niveau économique, n'arrivent pas à accéder réellement aux instruments qu'on propose, hein, parce que de tous les ans il y a quelque chose de nouveau, oui. Qui n'est pas il y a une partie de gens qui je pense sont bloqués oui. Par rapport à ça. Là. Je pense que Loïc pourra nous renvoyer ou vous indiquer les médiateurs numériques dans le territoire qui sont nombreux. Une autre remarque ou un autre échange? Je voyais certains d'entre vous échanger entre eux assez vivement. Si c'était sur le sujet, n'hésitez pas à reprendre le micro et à nous faire part d'une petite synthèse de cet échange contradictoire qui a pu se passer entre vous. Qui veut réagir? Monsieur? Merci. Oui. Richard Le Fur, bonjour. Je suis... Enfin, c'est en tant que game designer que je voudrais répondre un petit peu. Un peu plus fort alors. C'est en tant que game designer, donc créateur de jeux, que je voulais répondre aux personnes qui se posent des questions sur la capacitation des personnes pour bah, soit pour leur donner les possibilités d'agir et de s'investir, soit pour chercher à susciter ou à favoriser leur engagement. Dans le sens où, quand on n'a pas de possibilité d'agir, quand on se sent impuissant, forcément, on est un petit peu démotivé, on ne va pas trop s'engager. Et un des questionnements qui peuvent aider à y voir un peu plus clair sur des facteurs qui vont favoriser la capacitation de quelqu'un, quel que soit le domaine, quelle que soit la problématique, à mon sens, c'est qu'il y a un axe qui va me relier à mon objectif, c'est-à-dire que j'agis pour atteindre mon objectif. Donc, il me faut mon objectif. Il me faut un acte que je puisse faire, quoi, quelque chose que je puisse faire pour atteindre mon objectif. Donc une opération, une performance. Que par l'intermédiaire de cette opération, j'ai un espoir d'atteindre cet objectif. Parce que si j'ai aucun espoir, bon, bah, forcément, je n'y arrive pas. Que pour pouvoir faire cette opération, pour pouvoir agir, il faut qu'il existe une règle dans mon environnement, dans ma situation. Une règle qui me permette d'agir. Que cette règle soit une loi, que cette règle soit une modalité d'interaction que j'ai intégrée, voilà. Il faut aussi que j'ai des ressources pour agir. Si jamais j'ai besoin de ressources dans ma situation pour faire cette opération, pour atteindre mon objectif, il faut que ces ressources soient à ma disposition. Et enfin, il faut que j'ai conscience d'être en capacité, dans ma situation présente, d'opérer. Ce qui rejoint ce dont vous parliez tout à l'heure, le fait que qu'il y avait des dossiers territoriaux qu'on gardait cachés, qu'on ne diffusait pas. Donc, à partir du moment où l'un de tous ces paramètres-là est mis à mal,
que ce soit la règle, que ce soit la conscience de ma situation et du fait que je peux opérer, que ce soit les ressources dont j'ai besoin, que ce soit mon espoir d'atteindre un objectif, eh ben, c'est ma capacité qui est mise à mal. Voilà. Merci. Madame ? Non ? Une autre remarque ? Une réaction peut-être si... Georges, à moi, il y a quelqu'un, Antonin, qui veut parler ? Non. Georges, globalement, alors je ne sais pas si on va pouvoir répondre à comment on empêche les jeunes de s'entretuer. Bien sûr, comment les choses peuvent changer plus vite. Et puis, bien sûr, Michel, ensuite. Oui, quelques petites remarques. Je commence par la fin. Je crois que sur la capitale, l'empowerment, ça va être plus simple. Oui, on a beaucoup d'expérience là-dessus, sur les méthodes de mobilisation des individus pour constituer un groupe, pour travailler ensemble, pour progresser dans la participation. Je vous renvoie par exemple au livre de mon ami Julien Talpin sur le budget participatif de la ville de Porto Alegre, qui a longtemps été emblématique de cette recherche, et sur la manière, il est vrai, dans la culture d'Amérique latine, qui n'est pas la nôtre, mais dont on a réussi à mobiliser entre 4000 et 5000 personnes dans la ville pour construire une partie du budget municipal, dans une technicité très grande. Et là, il détaille toutes les méthodes pédagogiques qui ont été utilisées à la base pour accroître sans cesse le nombre de participants, pour fidéliser, ce qui est encore plus difficile, pour fidéliser les participants, parce que dans tous nos processus participatifs, il ne faut pas oublier qu'il y a un turnover effrayant. J'ai été pendant 5 ans nommé par Delanoë à l'Observatoire de la démocratie participative de la ville de Paris. Nous avons étudié les 123 comités de quartier de la ville de Paris et le premier constat a été que c'était l'entrée et la sortie permanente des citoyens qui venaient une réunion, deux réunions, qui disparaissaient. Heureusement, d'autres revenaient. Et le grand problème, c'était comment fidéliser les citoyens participatifs. Donc, il y a toute une série de problèmes complexes, mais qu'on connaît bien. Il y a toute une littérature là-dessus. On n'est pas à l'époque sachant du défrichement. L'objectif du citoyen, peut-être, est sa motivation. Je voudrais dire aussi un mot que, dans beaucoup d'expériences, il semble que l'on soit bloqué par ce que j'appellerais l'autorisation des pouvoirs. C'est-à-dire, le pouvoir local, en particulier, a un rôle quand même décisif pour, je ne dis pas prendre des initiatives dans le domaine de la participation, mais pour autoriser les citoyens à prendre des initiatives. Si on étudie le fonctionnement, encore une fois, des conseils de quartier, le fonctionnement des conseils de développement dans le milieu rural, récemment, il y a eu beaucoup d'études sur le début des conseils citoyens dans la politique de la ville. Chaque fois, on rencontre cet obstacle. Sommes-nous autorisés à ? Et à Paris, ça allait jusqu'à dire, nous sommes autorisés à, encore que pour la Delanoë, la démocratie participative, c'était surtout un gadget et pas du tout une volonté politique profonde. Je le dis comme je le pense, je lui ai dit, donc ça ne me dérange pas. Mais c'était qu'il n'y avait pas de retour. Les 123 conseils de quartier émettaient des vœux, des travaux, des idées, etc. Et tout ça, comme m'a dit un jour un citoyen, ça tombe là-haut dans le grand édredon. On n'a jamais la réponse du pouvoir à l'immense travail
techniques que l'on a menées sur des dossiers, l'aménagement d'une place, l'aménagement d'un square, je pourrais donner des quantités d'exemples. Les gens ont bossé des soirs, des nuits, ont créé des commissions, des citoyens, des centaines de citoyens à travers de Paris ont fait des choses. Et puis ça ne servait à rien. Je me souviens sur le dossier de la gare d'Austerlitz, là, du nouveau quartier. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Les citoyens avaient dit, ce qui nous manque, c'est une passerelle qui passe au-dessus des voies ferrées, parce que le quartier est coupé en deux. Et ils avaient travaillé avec un architecte volontaire, à l'est, etc. Quand c'est arrivé à la mairie d'arrondissement, il y avait 100 citoyens dans la salle. Pour voir qu'est-ce qu'allait devenir notre projet sur lequel on avait tant travaillé, on s'était tant engagé. Et la première parole du maire d'arrondissement a été « Vraiment, de tout ça, je ne sais pas quoi faire, parce que rien n'est prévu dans la loi. Oh. » Voilà. Vous voyez, on décourage le citoyen de s'engager. C'est encore pire que de ne pas lui donner l'autorisation de s'engager. On le décourage de s'engager dans beaucoup de cas. C'est cette relation on fait l'élu, il fait semblant. Il y a des exceptions, heureusement. À Fontaine, je suppose. Mais que je ne connais pas bien, mais suppose, puisqu'on est bien, ici, c'est que Fontaine ne va pas répondre à la règle générale. Mais dans la majorité des cas, je témoigne qu'on décourage les citoyens plutôt qu'on les encourage. Alors là, maintenant qu'ils ont une parole directe, au moins, avec les outils de communication et que la conversation est peut-être plus ouverte entre eux, peut-être qu'ils vont aussi décider de déposer eux-mêmes des projets. Parce qu'on a vu dans certaines commissions nationales du débat public, des citoyens... Non, mais j'encourage ceux qui sont ici à s'emparer de ce pouvoir qu'ils ont, de demander au moins que la restitution soit prise en compte et de le vérifier. D'ailleurs, j'imagine qu'ils se sont levés dans cette salle pour dire au maire, mais nous avions une réponse, j'espère. Tu voulais intervenir, Loïc ? Non, je t'en prie, et puis on finira d'après, d'accord. Oui. Pas Michel. Voilà, je vais commencer, je vais prendre, en tout cas, partager hein, ce que vos contributions m'amènent et comment ça vient impacter une pensée ou des pratiques. Il me semble que pendant longtemps, et si on parle des collectivités territoriales, moi c'était aussi un peu mon domaine pendant un moment, on a parlé d'abord des infrastructures. Ce qui comptait, on allait voir des élus, etc. C'était d'abord, est-ce qu'on a les machines et est-ce qu'on a les canaux et les réseaux et les machins, etc. Et puis, ça commence à aller, alors plus ou moins bien, je suis d'accord que tout le monde n'a pas le haut débit, mais je ne suis pas sûre que d'ailleurs on ait tous besoin du haut débit, mais ça c'est un autre sujet. Et puis maintenant, on est rentré dans cette phase très forte de usage et service. Et tant mieux, parce qu'il était nécessaire de le faire. Ce qui est aujourd'hui nécessaire, c'est la conciliation et de réconcilier infrastructure, usage et service. C'est de le regarder de façon globale, parce que comme a dit madame, nous, dans le cadre de notre labo, il y avait un ingénieur qui était là d'une grosse entreprise qui s'appelle Soprasteria, qui nous soutient dans ce laboratoire, et on est allé les chercher parce qu'on voulait justement créer du dialogue avec ce type d'entreprise. Et cet ingénieur m'a dit, non mais attendez, hein, moi je vous dis, dans 10 ans, il n'y a plus de Wi-Fi. Dans 10 ans, on n'a que des Android. Et donc, on n'a plus que de la 4G. Et la 4G utilise, enfin selon ce que j'ai entendu, hein, peut-être que je me trompe, il y a peut-être quelqu'un qui a des données plus précises, mais ce que j'ai lu et entendu, c'est 4 fois plus d'énergie pour aller chercher une donnée via la 4G que via le Wi-Fi. Donc, et quelque part, moi, ça m'a vraiment interpellée parce que on est au sein de l'ENSA en train de développer des applications pour les Android, pour permettre aux personnes, par exemple, de construire leur budget, etc. Et là, tu te dis, bon, ok, je suis en train de créer une solution, mais qui va créer un problème derrière. Et donc, cette vision systémique, cette vision du système, de cette société numérique avec ses infrastructures, ses usages et ses réseaux, ses infrastructures, usages et services, on doit essayer de s'efforcer de l'avoir, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas toujours la puissance intellectuelle pour tout relier, parce qu'on nous attend, parce qu'il faut toujours faire les choses vite, hein, et on nous attend sur des réponses, sur un petit bout du sujet. Donc, en tout cas, votre réflexion me paraît essentielle, et on va, grâce à vous et grâce à ce que vous avez dit ce matin, en tout cas, moi, je vais essayer de le réintroduire dans la façon dont nous abordons aussi ces questions d'usage et service. Je peux continuer ? Je t'en prie. Voilà. Je t'en prie, non, avec plaisir. Avec plaisir. Le deuxième réaction, c'est, madame, ce que vous dites par rapport
à les difficultés de notre société, notamment face à ces chaos, aux petits, micro, macro, etc. Et est-ce que, comment le numérique peut nous aider, peut accompagner effectivement la résolution de, on va dire, des problèmes sociaux. Je pense que j'ai lu une phrase cet été pendant, alors je ne sais plus de qui, hein, mais elle m'a beaucoup frappée parce que cette phrase était « Ce que l'on ne peut éviter, il vaut mieux le vouloir ». Et donc je me dis, ça devient un peu mon leitmotiv cette année, mais ce que je me dis, c'est « Ok, ce qu'on ne peut éviter, il vaut mieux le vouloir, mais alors je dois fixer les règles de la façon dont je le veux ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je pense que c'est ça. Le numérique, on ne peut pas l'éviter, mais il faut le vouloir. Et il faut se poser la question de comment on le veut. Et ce que je suis en train de constater aujourd'hui, nous sommes un peu au cœur de ça, c'est que vous avez des acteurs du numérique et vous avez parlé de start-up. Alors c'est marrant parce que ça c'est un mot, avant on parlait de création d'entreprise, aujourd'hui on parle de start-up, donc c'est bien, on a des mots aussi de notre temps. Les anglicismes ? Oui, bon pourquoi pas, hein. On est dans un monde ouvert, donc... Américain. Voilà. Bon, on a plein de mots arabes hein, qui nous ont servi. Donc, avant, si tu veux, avant, c'est des sociétés avant, qui évoluent. Les échanges mais ça y est. Culturels sont vivants. Je vais perdre le fil de ma pensée. Non. C'était juste de dire que je crois aujourd'hui, avec cette question d'un numérique pour une société socialement inclusive, c'est le dialogue entre les acteurs du numérique et les acteurs sociaux. Ce que on a une crainte quand on est du côté des acteurs sociaux, ce qu'on a appelé de l'ubérisation du social. Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient de ça aussi. Mais sans jeter l'anathème ni sur l'un ni sur l'autre. Moi, je rencontre des acteurs du monde du numérique, notamment des jeunes, qui ont la générosité au cœur et qui ont cette envie d'amour et de solidarité. Et qui, eux, ont envie d'utiliser le vecteur d'aujourd'hui qui est le numérique pour développer des solutions qui permettent d'être solidaires. Et je dis tant mieux. Simplement, il me semble, et d'un côté on a ça, de l'autre côté on a des acteurs sociaux qui depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans ont développé une approche vis-à-vis des personnes en situation de fragilité pour sortir de l'assistanat, pour sortir de la stigmatisation, pour sortir d'une réponse ponctuelle qui ne s'inscrive pas dans un parcours d'autonomie des personnes, etc., qui sont de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe ? On arrive aujourd'hui à voir la création, et hier j'étais à la ville de Paris, la création de solutions qui sont posées sur la générosité. Comment est-ce que, vous savez, aujourd'hui, vous avez des applis, j'ai un SDF en bas de chez moi, et donc j'ai une appli pour dire, il y a un SDF en bas de chez moi, là il fait froid, vous ne pouvez pas lui amener des couvertures, et puis lui amener à manger, et puis etc. Je ne dis pas que c'est... Je ne dis pas... Et je peux dire que c'est des et je donnerai pas de nom, mais ces applis-là se développent de plus en plus. Et donc les acteurs sociaux se figent en disant mais c'est quoi ces gens-là qui sont en train de renouveler la générosité bon cœur, etc., ou la charité bon cœur. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Et ce qu'il faut faire, c'est au contraire faire en sorte qu'il y ait ce dialogue qui puisse s'instaurer et ça progresse. Parce que je vois des acteurs du numérique qui s'approprient progressivement cette dimension sociale et qui se fait parce qu'il y a des acteurs sociaux qui sont prêts à travailler et discuter avec eux. Donc, pour rejoindre, je n'ai pas complètement répondu à votre question, mais il me semble que faisons attention à un outil numérique qui viendrait revenir à une vision du social et de la solidarité dans une dimension charitable et d'assistanat dont on essaye de sortir. Mais je dis aussi attention aux acteurs sociaux de ne pas rentrer, de ne pas vouloir cette société numérique qui est là, parce qu'à un moment, vous serez dépassé. Et je terminerai en disant que l'ENSA, on essaye à notre petit niveau, et même au sein de mon équipe, ce n'est pas facile, de concilier et de favoriser ce dialogue, favoriser ce que moi j'appelle cette alchimie heureuse. Je vais bientôt parler d'alchimie vibrionnante ou vibratoire, parce qu'il y a, voilà, tout d'un coup... Vibrionnante, vibratoire, tout ce que vous voulez. Mais c'est un peu ça qui est en jeu aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, et pour reprendre le début de mon propos, c'est qu'on ne le fera que si on est en intelligence collective, en dialogue, en co-construction. C'est vraiment d'essayer d'aborder cette dimension-là. Merci Michel. Loïc, parce que je sais qu'on vous a promis qu'on arrêtait à midi, mais comme je vois que vous êtes toujours aussi attentif, on se permet de déborder effectivement un petit peu. Loïc.
Oui, il y a plein de questions qui ont été posées ce matin, parfois de façon un peu décoiffante, faut bien le dire. Alors, effectivement, nous, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question sur le lien entre infrastructure, usage, service. Et on avait lancé une expérimentation dans un quartier politique de la ville qui s'est appelé Internet pour tous Solaris. En partant du constat, on s'était dit, voilà, c'est un quartier, un des plus pauvres de la ville, un des plus stigmatisés aussi. Bon, ben, forcément, ces braves gens, on va leur amener la connexion et puis il faut leur amener l'ordinateur. Puis on a quand même fait réaliser une enquête par une école. Ils sont allés voir plusieurs milliers de personnes en frappant aux portes. Et puis on s'est aperçu que, bah, pas du tout, dans ce quartier-là, les gens, ils étaient aussi connectés qu'ailleurs. 80%, ils avaient un smartphone, une tablette. Et donc on a dû réorienter un peu le projet en disant, mais on va travailler plutôt sur les usages et sur faire que les gens se rencontrent pour travailler ensemble. Et là, ça nous a obligés à redimensionner un peu parce qu'on avait des a priori de départ. Et pourtant, on a l'habitude de faire du travail social et d'essayer de faire que le numérique devienne un outil d'insertion sociale. Mais là, au départ, on avait un diagnostic qui n'était pas bon et que la réalité nous a obligés à largement modifier. Alors, sur la question de l'autorisation, effectivement, souvent, c'est d'ailleurs le thème du colloque, c'est « osons ». Parce que, oui, effectivement, aujourd'hui, avec un certain nombre d'outils numériques, les gens, ils osent, ils ont des choses à dire, ils le font. Alors, c'est parfois bousculant pour les élus, parce qu'aujourd'hui, quand un citoyen vous envoie un mail, que c'est instantané, il attend la réponse de façon quasi instantanée. Et malheureusement, c'est pas toujours comme ça qu'on réagit avec les services. Donc, parfois, on se prend aussi des coups de pied au cul quasiment instantané parce que on réagit pas assez vite, mais c'est le jeu. Et puis, donc justement sur la question de l'autorisation et du lien entre ce que propose la collectivité aux habitants, on s'est dit qu'on allait un peu renverser la donne. Et c'est ce qui nous a amené à imaginer la création d'un tiers-lieu numérique. On en parlera sans doute cet après-midi. Je rappelle que cet après-midi, il y aura des ateliers et que les personnes qui sont au travail sur l'idée d'aménagement de ce tiers-lieu sont avec nous et ont fait dans le couloir déjà un certain nombre de publications. Mais avec ma collègue Fabienne Binaire qui est là, qui est déléguée à l'économie sociale et solidaire et au développement durable, on a réfléchi à un processus où justement c'est pas la ville qui va faire une structure et puis dire aux gens venez participer. C'est la ville qui dit maintenant c'est aux citoyens de créer cette structure et d'oser faire des choses. Alors c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien ce que ça va donner, parce que c'est les gens qui vont faire. Alors on a quelques petites idées quand même, mais si ça se trouve, ça va partir dans un sens un peu différent de ce qu'on imagine. Et ça, c'est un risque, mais c'est quand même justement l'idée de faire en sorte que les citoyens prennent le pouvoir et créent eux-mêmes une partie de la société locale. Donc ça, on s'est engagé dans cette idée-là. Et le fait que on soit réunis ensemble pour discuter, ça permet aussi de confronter et parfois de donner un petit coup d'épaule à certaines certitudes qu'on peut avoir. Alors, juste un élément pour expliquer la suite de la journée. Donc là, on va faire une coupure jusqu'à 14 heures. Donc, vous avez au bas de la rue un certain nombre d'endroits pour manger, ou alors au sous-sol ici, le restaurant municipal, le Guinguet, donc à l'étage en dessous, qui peut aussi vous accueillir
pour une somme tout à fait modeste. Et ensuite, on se retrouvera avec, avec des ateliers, différents ateliers cet après-midi, qui vont nous permettre d'approfondir un petit peu les questions qu'on a posées ce matin. Et c'est complètement connecté avec, avec ce qu'on a dit, parce qu'il n'y a pas d'un côté la théorie et puis de l'autre côté la mise en pratique. C'est beaucoup plus fluide que ça, je trouve. Et je vois qu'il y a des animateurs des ateliers de cet après-midi qui sont arrivés. Donc on va essayer d'avancer comme ça. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bravo à vous tous. Un grand merci à Georges, à Michel, à Patrick qui nous ont apporté cette vision, ce recul, cette intelligence partagée tous ensemble aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'émission sur le web, sur Internet, pendant longtemps. Ça sert au moins à ça, le numérique. Et sur le site de Fontenay et sur le site de l'association Ville Internet. Et sur tous ceux qui voudront le relayer, d'accord, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt à tous. Et on se retrouve en ligne.